Ça fait des semaines, j'suis pas sorti. J'ai peur de te croiser dans la rue. J'mets quelques selfies en story. J'les enlève dès que tu les as vus. J'fais comme si j'avais plein d'amis. Comme si je vivais dans le luxe. Alors que j'pleure seul dans mon lit. Chaque fois que j'te croise dans le bus, j'ai pas atteint le stade où j'te dirais que j'suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres balles. J'ai pas atteint le stade où je dirais à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Mais tu peux garder mon hoodie. De toute façon, je l'ai jamais aimé. Je vais faire de grandes choses pour que tu puisses dire aux autres garçons que j'ai déjà aimé. Mais pour l'instant, j'écris de la musique qui restera sur mon ordi jusqu'au jour où je me lèverai de mon lit. Que je la porterai dans une maison disque. Et là ça deviendra sûrement un tube. Et tout ça au fond ce sera de ta faute. J'enchaînerai les concerts d'un jour à l'autre. Et pour la première fois j'aurai atteint le stade où je te dirai que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres balles. J'ai pas atteint le stade où je dirai à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse. Mais j'aurais pu te ramener sur scène, t'aurais signé des autographes. Ouais, on aurait fait le tour de la terre pour échapper aux photographes. À tous les soirs, hôtel 5 étoiles, t'aurais tout fait, même du cinéma. Mais je te rassure, ça n'arrivera pas. Parce qu'enfin, pour la première fois, j'aurais atteint le stade où je te dirais que je suis stable et que mon cœur intact est prêt à se prendre d'autres balles. J'ai pas atteint le stade où je dirai à une femme tout ce que je ressens en face sans avoir peur qu'elle me casse le cœur. Je vais peut-être y aller dans deux semaines, mais je vais faire comme si rien n'était, comme si j'avais plus de peine. J'atteins le stade où je peux kiffer la vie que je mène, celui où t'es plus dans ma tête et moi plus dans la tienne. Peut-être que je t'aime encore un peu, c'est ça le problème. Mais je vais faire comme si rien n'était, comme si j'avais plus de peine. Vous avez le droit d'aimer les petits chiots, vous avez le droit d'aimer les petits chevaux, les petits oiseaux, les petits crapauds et tous les animaux. Et vous avez le droit d'aimer l'Angleterre, et vous avez le droit d'aimer les gangsters, d'être hôtesse de l'air ou bien fait des chairs ou maître de l'univers. Oui, vous avez le droit de porter des strings, oui, vous avez le droit d'adorer le king, c'est le rose, le jaune, le bleu, le vert et le cacadois, la mer, l'hiver, les blondes, les rayures, les poufs, les sevures, les rois, les mamas, les pivois, les chats, les divas. Vous avez le droit d'être excentrique, oui, vous avez le droit d'être plus classique, d'être narcissique, ou bien érotique, ou même préhistorique. Oui, vous avez le droit d'être communiste, oui, vous avez le droit d'être anarchiste, de vous fiancer, de faire un CP et de la fiche en venée. Ouais, mais moi je suis CB. Loin d'être le plus futé, on m'appelle le sous-doué, mon QI n'est pas très élevé. Je pensais que le régime de Vichy était fait pour perdre du poids, et que dans les femmes dauphines, il y avait des dauphins. J'ai beau avoir une femme d'ampoule, je ne suis pas une lumière. Je pensais que le boulot d'un traiteur était d'insulter des mères. Souvent je me trompe dans les expressions, j'emploie des mots qui ne sont pas les bons. Il fait un froid de connard, évite de mettre une jupe, un peu de douceur dans ce monde de pute. Je pensais qu'il y avait que les zoophiles qui avaient des chats dans la gorge, qu'en cas de torticolis il fallait mettre un soutien-gorge. Les cochons n'ont été des mélanges entre peur et volaille, et je suis tellement teubé que je pense que je mériterais une médaille. Je suis teubé, teubé, c'est certifié, approuvé. Je rate tout ce que je fais, je suis en karaté. J'ai toujours cru que les acariens étaient des petits nazis, et que pour leur famille les nains avaient des bonsaïs généalogiques. J'ai déjà répondu non merci à quelqu'un qui faisait la manche, et bon appétit vous aussi à un serveur au restaurant. Teubé, teubé, live, j'ai jamais réussi à décrocher un taf. Quand en entretien on me demande de donner un défaut, je dis qu'un seul n'est pas suffisant car j'en ai beaucoup trop. Teubé, teubé, live, j'ai toujours cru qu'on disait passer du coca. Live, c'est pas tous les jours facile de ne pas être intelligent, mais moi je suis heureux, est-ce que c'est pas le plus important? Ok, ma petite saucisse. Bonsoir à vous tous!
comment allez-vous? Attends, les stats des 38 balais. Non, j'ai accroché des petits ballons. Ce n'est pas 38. Bonsoir à vous tous, comment vous allez? Merci à vous tous pour vos messages. Mais oui, ça y est, okay, enfin vous voyez la fameuse décoration que vous m'avez offert. Parce que c'est vous tous qui avez participé pour m'offrir ce décor absolument sublime. Soyons honnêtes. Et là, voilà, aujourd'hui, j'étais censée recevoir le nom demain. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Oh, le vrai Scorpio, merci beaucoup, c'est trop adorable. Merci Freddy. Attendez, je vais quand même remercier toutes les personnes. Merci Ilian, Dean, merci. Ok, ma petite saucisse. Merci Mousse, merci Delphine, merci Kingston. Merci à vous tous. Je crois que j'ai oublié personne, non, c'est bon. C'est bon. Ok, ma petite saucisse. Merci à vous tous. Joyeux anniversaire, la meilleure au monde. Tu nous réconfortes tellement. Je t'adore depuis que je t'ai découvert. Tu me fais tout le temps rire, tout en protégeant... Oula, j'arrive pas à suivre. Tout en protégeant d'autres personnes. Et je trouve que tu devrais être fâchère, plus connue. Tu es une femme incroyable et magnifique. Ne doute jamais de ce que tu fais et ce que tu comptes faire. Je te souhaite plein de bonheur pour tout ce qui va suivre, et surtout la santé. Je ne sais pas quoi dire tellement il y a de choses à dire grâce à toi. Oh, c'est chou, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. C'est la grenouille du voisin. Ouais, j'ai mis mon pilou-pilou grenouille pour fêter ça, parce que bon, c'est quand même grâce à la grenouille du voisin qu'on en est là. Oh, punaise, une marmotte. Mais merci, c'est adorable. Merci, Caradoc. Merci, petit Pimousse. Merci Mélissa, joyeux anniversaire, voici mon joli cadeau pour toi, tu me redonnes le sourire de ouf, vraiment tu me redonnes le moral, tu es incroyable, oh vous êtes trop chou, merci beaucoup, merci Black Flo, joyeux anniversaire, merci pour la personne que tu es ma petite saucisse. Et ce que tu nous apportes, merci énormément, oh là là, vous êtes chou, arrêtez, j'ai passé la journée déjà à avoir les larmes aux yeux avec tous vos gentils messages. Et vraiment, merci à vous tous. C'est au-delà du fait que vous avez été ultra nombreux, c'est de me dire, il y a autant de monde qui a consacré du temps pour m'écrire un petit message. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous ai dit, je suis une émotionnelle, moi. Ce que je vois, c'est vraiment l'intention, c'est pas spécialement le message en lui-même, mais c'est de me dire, vous avez pris du temps pour moi, pour m'envoyer un message, et ça me touche énormément, et je vous remercie. Vraiment, c'est trop adorable. Merci Liantine, merci Warcaribou. Waouh, tu fais vraiment pas tes 46 ans. Alors, on peut taper la fin de 73. Merci Mélissa. Merci Mia, mais oh là là, c'est gentil. Merci sur TikTok, merci à Chris, merci à Ellie, merci à vous tous. Merci. Pour ce qui est du décor, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes satisfait de ce pourquoi vous m'avez fait des cadeaux? Est-ce que ça vous convient? C'est trop beau, ça vous plaît. Oh bah, je suis contente. Je suis trop contente que ça vous plaise, vraiment. Je trouve ça hyper sympa aussi. Ok, ma petite saucisse. Le néon est magnifique et le reste aussi. Alors, le néon, en plus, il change de couleur, mais c'est un peu compliqué pour que vous puissiez le lire si je change de couleur. Parce que, attendez, regardez. Ok, ma petite saucisse. Bleu, ça fait chelou, hein, on est d'accord. Vert, moi, ça fait vert sur vert, hein, c'est bizarre. Du coup, je l'avais mis comme ça parce que je trouve que c'est comme ça qu'on lit le mieux. Après, je peux passer au rouge. Ok, ma petite saucisse. Ouais, c'est bizarre, hein. Bleu, voilà. Go lancer une cagnotte pour repeindre la maison du mur. Non. Un Foréa qui me fait un live, qui me fait un raid, mais merci. Merci beaucoup Thomas, merci infiniment pour ce magnifique raid. J'espère que tu vas bien. Merci aussi pour le petit ton petit message vocal qui était absolument trop adorable. Oui. Vous m'avez envoyé tellement de gentillesse, c'était un truc de fou. Vous avez j'ai reçu tellement de messages que voilà.
Et les mains en l'air, la 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 la, la Et les la mains la en la la. l'air. Là, attendez, je vais mettre le casque, sinon j'entends pas les alertes. Et là, j'ai entendu et les mains en l'air, la 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 la. J'ai entendu la nouvelle alerte. Ok, ma petite saucisse. Merci, normal que tu aies reçu du soutien. Non, mais vraiment, enfin aujourd'hui, j'ai reçu tellement de gentillesse, Ok, de ma petite saucisse. tout. C'était exceptionnel. Alors attendez, par contre, faut que j'ouvre Discord. Fab, ce que tu m'as envoyé, c'est quoi? Ça a paru. J'ai reçu un lien bizarre de la part d'un de mes modos. Bon, je pense que c'est soft, hein, le connaissant, il n'y a rien d'avoir de bien méchant. Et les mains en En l'air, l'air, la 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 la. la 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 la. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors attendez, je vois pas parce que je suis en train d'ouvrir Discord pour récupérer le lien. Oh Et là les là. mains en l'air, La 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 la. la 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 la. Merci Marie, merci Lydian, merci Sangamour. Merci, bienvenue Et à. les mains en l'air, la 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 la. la 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 la. la. Merci à JTB, bienvenue à JTB, Tarer, Mélusine, Relure de Margot. Et les mains en l'air, la 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 la, Attendez, il la faut la que je la la. connecte Discord. Attendez. Hop. Hop. Tac. Attendez. Hein. Et les mains Je en fais l'air, vite la parce la que la la je la, n'ai plus la de la 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 batterie. la. Mon tel va s'éteindre. Hop, allez. Voilà. Ok, ma petite saucisse. Ok, ma petite saucisse, merci à vous tous. Hein. C'est magnifique, on peut appeler ton mur Jason alors. Deux rouleaux. Oh. Non, j'en avais trois rouleaux. J'ai été obligée d'en prendre trois. Donc, Fab. Ok, ma petite saucisse. Fabi, tu m'as pas dit, c'est safe ce que tu m'as envoyé, c'est quoi? Je peux le télécharger sur mon ordinateur. T'es pas en train de me balancer un virus, moi, dans le cas où, de toute façon, ça se bloquera. Attendez. Ok, Ouf. ma petite saucisse. Attendez. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ma petite saucisse. Oui, vas-y, ouvre. Alors, est-ce que je peux y montrer Ok, à ma petite l'écran? saucisse. Je sais pas. Ok, ma petite saucisse. Merci, Monsieur Pépère. Bienvenue, Debideps. Merci, Delphine. Merci à vous Ok, tous. ma petite Message saucisse. d'Agaxi, regarde MP Discord. Oui, d'accord. Alors, attendez, parce que là, je suis sollicitée de toutes parts. Donc, un instant. Ok, ma petite saucisse. Oh mon Dieu. Oh, c'est flippant au possible. Et les mains en l'air, la 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 la, la 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 la. Merci Agaxi. Il va falloir que je montre ça sur l'ordinateur. Alors attendez, Ok, ma petite saucisse. Donc ça c'est bon, c'est fait. Par contre, je vais faire comment pour y montrer? Tu m'as dit c'est safe, hein. Je peux le montrer, t'es sûr? Ça me fait peur. Le connaissant, ça me fait. Ça a Attendez. paru. Qu'est-ce que c'est? Allô? 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 Veuillez C'est la venue des voisins. Joyeux anniversaire, le flic. Joyeux anniversaire. Bon, je crois que c'était Sento. merci beaucoup, Aurélie. Merci aussi, Mélusine. Merci, Monsieur Pépère. Vous êtes tellement nombreux, j'arrive pas à suivre. Bon. Comment je peux faire pour vous montrer Ok, ma petite saucisse. pour vous montrer. On va partir du principe pour vous montrer. Alors attendez. Si je fais tac 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 capture de fenêtre. Ok, ma petite OK, saucisse. que je fais
Non, c'est pas celle-là. Annulée. Attendez. Hop. Ça part. Alors, je fais ça. Voilà. Que je fais? Attendez, juste un instant. Ah, c'est bon. Là, vous voyez. Ok, donc je vais juste peut-être un peu réduire parce que sinon, vous ne voyez plus ma tête. On va réduire. On va y mettre là. Voilà, comme ça. Ça me fait peur. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ça me fait peur. Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Téléchargement. Lire avec VLC. Allez. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit c'est bizarre que me demande de faire un montage pour l'anniversaire de son père? Attendez. Pourquoi vous pouvez pas? Je vais faire capture d'écran parce que ça veut pas. Regardez, c'est tout noir. Attendez, je vais faire capture d'écran parce que c'est tout noir. Je sais pas pourquoi. Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Pourquoi il y a sa vieille trombine? Putain, qu'est-ce que t'as fait, Fab? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc c'est l'autre écran qu'il faut, c'est celui-là. Est-ce que vous voyez sa tronche? Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a fait? On va mettre. Pourquoi il a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai peur, j'y vais. J'ai pas confiance. Ça me fait peur. J'ai peur. Bon, allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit c'est bizarre qu'il demande de faire un montage pour l'anniversaire de son père? C'est mal me connaître. En tout cas, Leslie, bon anniversaire. Profite de cette vidéo qui va suivre. C'est que de l'amour, comme dirait Patrick Sébastien. Merci de faire partie de nos vies. Merci de nous faire rire. Hello Leslie, j'ai un message de certains chums, tu vas pas le croire. Ils te souhaitent un fucking birthday. Et moi je te dis gros bisous, bon anniversaire et continue ce que tu fais. Salut Leslie, un petit message pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Bisous Reine Belette. Salut Leslie. Bon bah tu vois, je suis toujours en croisière avec mon bateau. Et puis tu me fais prendre des risques parce qu'il y a personne qui conduit le bateau forcément. Mais je voulais juste te faire cette petite vidéo là. Pour te souhaiter un bon anniversaire, parce qu'il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, ça change un peu de la vie de tous les jours. Amuse-toi bien, on sait que t'es vieille maintenant, donc voilà, il n'y a plus grand chose à faire pour toi. J'ai appelé la pharmacie à côté de chez toi, ils ont des cannes et des déambulateurs de disponibles. Donc voilà, si tu veux aller en acheter... Vas-y, hein, tu me diras, on participera à la cagnotte pour t'acheter un déambulateur. Amuse-toi bien, profite bien de cette journée, à bientôt. Coucou Leslie, joyeux anniversaire, c'est Nono la Bretonne. Et continue, tu nous fais bien rire. Des bisous. Hey, salut Leslie, c'est Amanda Jeanne sur TikTok, une de tes abonnées. C'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire à toi. Et t'es une, mais t'es vraiment au top du top. Et reste comme tu es. Et encore, joyeux anniversaire à toi, ma belle. Bisous. Coucou Leslie. Même si en ce moment, je suis pas très très présente, je tenais à te souhaiter un joyeux anniversaire. Bisous. Coucou Leslie. Coucou Leslie, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire. C'est Marie-Ange. tu sais très bien, de toute façon, que... Ce que tu, tout ta, on va dire, ton talent et ton succès est mérité, d'autant plus que tu bosses beaucoup là-dessus. Et je sais que tout le travail que toi, Victor, Santo et Tanto, je peux imaginer tout le travail que vous faites derrière. Donc, c'est plus que mérité. Je fais très vite parce que, un, j'ai froid. Deux, c'est il neige à Paris et on n'est pas habitué. J'ai peur de marcher dans une crotte de chien sous la neige. Faut que j'aille vite au boulot. Mais en tout cas, comme je t'avais dit, je peux t'accueillir 2-3 jours sur Paris avec grand plaisir. Et puis, prends soin de toi, ta petite famille. Et encore une fois, joyeux anniversaire. Ciao. Coucou Leslie, je te souhaite un joyeux anniversaire et je te fais des gros gros bisous. Bisous, fais-nous rire encore. Coucou ma Leslie, je te fais plein de gros bisous pour ton anniversaire. J'espère qu'on vivra encore ensemble plein de belles aventures.
triste et gay. Et voilà, et je t'aime fort. Bonjour Leslie, c'est Stéphanie C. Eh bien écoute, je voulais te dire un grand merci pour les fous rires que tu nous donnes à chaque live, toutes les déconnades, tous les petits bonheurs que tu nous donnes. On te l'a déjà dit, mais je pense vraiment que tu devrais être remboursée par la Sécu. Moi, je suis en tout cas fière de faire partie de la team Belette. C'est un bonheur à chaque fois. Même si je suis un peu discrète, je ne regrette pas. Sois fière de ce que tu fais parce que c'est d'utilité publique, je pense. Et je voulais finir ma petite vidéo en te souhaitant un super anniversaire. Continue, n'arrête pas. T'as toute la team derrière toi et t'as aussi une super équipe avec toi. Enfin, une super équipe. Vous êtes plusieurs et c'est d'utilité publique. Voilà, bon anniversaire. J'ai pas le talent de Vanessa pour les chansons, mais on va tester quand même. Maman Belette, maman Belette, c'est prendre l'année fête, c'est la fête. Maman Belette, maman Belette, maman Belette, t'as le poil soyeux et des grands yeux. Maman Belette, maman Belette. Bref, bon anniversaire à la plus chouette des Belettes. Oh. Avec le Mont Blanc derrière moi, je me dois en cette journée de souhaiter un bon anniversaire à Leslie, Lily ou José, enfin l'un des trois. Mais en tout cas, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Donc bon anniversaire et regarde, on voit même chez toi par là, mais c'est un peu loin. Voilà. Bon ben, en tant que dernier modo arrivé, il me devait de faire un discours qui a duré à peu près une trentaine de minutes. Là, attends, j'ai préparé le speech avec le papier. Alors, pour commencer, premièrement, elle aime un mec. Voilà, là, 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 voilà, là, là, merci. Coucou Leslie, je te souhaite vraiment un joyeux anniversaire. Je te souhaite plein de belles choses dans le futur et je t'envoie des gros bisous. Encore oui, joyeux anniversaire. Salut. Alors, c'est rigolo parce que la personne qui m'a contacté était à la recherche de témoignages de gens qui auraient marqué ton année 2023. Et c'est assez rigolo parce que, en fait, on aurait pu carrément te demander à toi la même chose me concernant. En fait, voilà, je me suis rendu compte de ça. Toi qui as marqué cette année 2023, en tout cas la mienne, par ta douceur, ta gentillesse, ta sympathie. Et voilà, et c'est des qualités humaines que je trouve fondamentales et j'essaie de m'entourer de gens qui partagent ces valeurs-là. Donc merci à toi. Merci pour tous ces partages, cette gentillesse encore une fois. Et voilà, en espérant que ça continue sur 2024 et qu'on ait plein d'échanges comme ça, peut-être même au théâtre, si je passe en tournée dans le coin ou si tu passes sur Paris, n'hésite pas. En tout cas, joyeux anniversaire et merci pour tout ce que tu fais. Et merci pour la belle personne que tu es. À bientôt. Parabéns. Attendez, j'ai un problème avec TikTok, ça se déconnecte. Je suis désolée. Et TikToker. Un instant. Oh, je suis désolée. Oh mon Dieu. Pas vous, nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Joyeux anniversaire, maman Belette. Plein de bisous, on t'aime fort. Coucou ma Leslie, c'est une petite vidéo pour te souhaiter un très très bon anniversaire. Regarde, je t'ai mis bien. Ah mais putain, ah c'est bien. C'est pas vrai. Allez vas-y, tu fonctionnais. Ah. Comment bon, tu galères? Comme l'autre. On va en prendre qu'un seul parce que là. Joyeux anniversaire, Leslie.
Joyeux anniversaire. Et regarde, pour fêter avec, un champagne bien de chez moi. Joyeux anniversaire Leslie. Joyeux anniversaire Leslie. Joyeux anniversaire Leslie. Joyeux anniversaire. Eh bien, coucou Leslie, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, mais aussi te dire un petit quelque chose qui, je pense, nous tient tous à cœur. C'est que tu es très importante pour nous tous, hein, que tu fais énormément, et que je pense qu'on devrait te lire plus souvent, et que tu devrais être très fier de ce que tu fais, même si tu l'es. En tant que scammetteur, on sait ce que tu ressens, et je pense que... Tu devrais croire beaucoup plus en toi parce que tu as un pote. Attends. Oh putain, non! Bonne année, mon frère. Oh! Coucou Lily, joyeux anniversaire. Surtout, continue à me faire. Coucou Lily, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire, même les pires. Je te souhaite un très bon anniversaire. On te souhaite le meilleur. Reste comme tu es. Oh, surtout, ne change pas, tu es au top et continue à nous faire rire. On te fait des gros bisous. Coucou Leslie. Oh, alors, mais vous êtes exceptionnelle. J'ai mis pour toi mon plus beau pilou. Voilà. Je voulais te remercier pour tout ce que tu fais, pour tes lives qui sont hilarants et qui font énormément bien au moral. Oh, mon Dieu. Et pour tout ce que tu fais en dehors des lives pour aider toutes les victimes. Tu es une fille avec un grand cœur. Tu es géniale. Franchement, je t'adore. Reste telle que tu es. Super bon anniversaire. Je t'aime. Et on souhaite bon anniversaire à la reine de Black. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je te fais des gros bisous. T'es une de mes meilleures rencontres 2023. Voilà, je t'embrasse. Et puis, à très vite. Oh mon Victor! Je te souhaite un très, très, très joyeux anniversaire. Il n'y a plus d'image. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et on va chasser encore plus de brouteurs cette année. Mais encore grave. Une année de ta vie où tu vas passer à les faire chier. Et il faut que Vanessa te chante joyeux anniversaire. Allez, ouais. Salut. Tac. Tac, ça, c'est géré. C'est bon. Oh. Un, deux. Parfait. Coucou Lily, écoute, on voulait tous te souhaiter un très très joyeux anniversaire. Tu vois, ça nous fait hyper plaisir de partager cette aventure avec toi. Waouh, c'est incroyable. Attends, excuse-moi, je... Pardon. Qu'est-ce que... Allô? Ouais, mon petit Sam, c'est le père Sylvestre à l'appareil. Père Sylvestre? Ah bah oui, que tu veux que ce soit couillant avec cette voix? Ah bah j'ai... Comment... Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Oui, t'es au courant de l'anniversaire d'Arnaud Poissy, tu oui, peux? Oui, 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 j'ai... bien sûr, j'étais en train, là, je... Oui, t'en es où pour la bougie? La bougie? Oui. Quelle bougie? Bah la bougie d'anniversaire, la bougie. Ah non, je suis pas au courant, non, la bougie, non, je... T'as rien prévu, t'occupes, hein, tu regarderas par la fenêtre, tu verras, comme tout le monde, là, j'ai tout géré. La fenêtre? Bon, je te laisse, mon petit Sam, j'ai pas le temps, je m'en occupe, regarde ta fenêtre. C'est pour toi, ma Lily. Tu connais son nom? Ici le comité de défense des ours de compagnie. Nous faisons ce communiqué aujourd'hui à la demande d'un de nos congénères, dont je reprendrai les mots. Mon amour, aujourd'hui c'est ton anniversaire, et je tiens à te dire que je t'aime et que ce soir, je vais casser les batailles. Oh, est-ce que c'est...
c'est moi, j'étais pas prête à ça. Je suis désolée. Oh putain. Ouais, petit bouchon, là, je crois que j'ai... j'ai pendu du PQ. Oh, putain. Oh, putain. J'ai même... Je sais même pas quoi vous dire. Oh, je sais pas quoi vous dire. Hormis merci, j'ai l'impression que c'est tellement dérisoire à côté de ce que vous avez fait pour moi. Oh mon Dieu, merci. Merci, merci. C'est... Merci, j'ai l'impression... J'ai vu la vidéo de Mike, je l'ai vue, attendez. Allô ? Si, il y a eu une vidéo de Mike apparemment, je sais pas si tu l'as regardée. Si, je l'ai vue, je lui ai déjà répondu. Mais... Ah merde. Ouais, mais il y a un décalage, tu sais, donc forcément... Je l'ai eu. Je encore l'ai eu. Joyeux anniversaire, en tout cas. Merci. Allez, plein de bisous et surtout n'oublie pas, on est ensemble. Bisous. Pff, je. Pff, finesse. Je ressemble à Rudolf, j'ai le nez tout rouge. Pff. Excusez-moi. Ça va aller. C'est... J'ai 37 ans. Et c'est la première fois que quelqu'un fait ça pour moi. En fait, jamais personne n'a fait quelque chose d'aussi gentil. Je suis désolée. Je suis désolée. Et c'est de me dire, il a fallu j'attends 37 années pour regrouper autour de moi des gens tellement gentils et tellement bienveillants. C'est... Attendez un instant. Toi, tu vas me le payer cher. Tu vas me le payer très cher, ça. Oh, j'ai une livraison de mouchoir pour toi. Je peux le déposer devant ta porte ou pas? T'as 4 les carrés dans le cul, tes mouchoirs. Ça complote derrière ton dos. Ah, grave. Non mais écoute, en tout cas j'en profite, bonjour Twitch, bonsoir TikTok, je reviens après. Et je veux en profiter pour remercier tous les gens qui ont participé, qui ont répondu favorablement à la vidéo. Et je voudrais m'excuser auprès des personnes que je n'ai pas pensé. Il y avait tellement de monde, ça m'a pris toute la semaine quasiment pour regrouper ça. Merci à Nono qui m'a aidé. Ah, tu peux engueuler Nono aussi, il n'y a pas que moi. Je vais tout le feu Nono. Et puis à Sam également, parce que Sam a été de très bons conseils pour le montage, pour comment te l'envoyer, etc. Vraiment, donc voilà, c'est mérité, c'est que de l'amour, comme dirait l'autre. Et puis merci à l'ours aussi, parce que c'est un moment de pression, je me suis dit, je le contacte ou pas? Merci. Et il a répondu favorablement. Donc voilà, bon live à tous. Leslie, tu sais qu'on t'aime, profite, et puis encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Allez, je te laisse. Bisous. Bisous.
pour ceux qui se demandaient c'était qui au téléphone, c'est mon modo, Fab, sur TikTok. C'est lui qui m'a créé le Discord, là où j'ai pu réunir toutes les deux communautés. Et c'est quelqu'un d'adorable. C'est lui qui a eu l'idée de cette vidéo. Et... merci à vous tous. Oh là là, c'est un... excusez-moi, attendez. Ouh. Oh punaise. Merci. Merci, merci, merci à vous tous. Pour tout, pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour cette vidéo. Merci à vous tous. Oh, une belette en PLS, ouais, c'est ça. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous ceux sur Twitch qui m'ont envoyé en plus des cadeaux, que ce soit Chris, Lisa Rage, Louisa, Virginie, Pascal, Nina, Idril, Princesse. Même TLJ m'a envoyé des cadeaux. Merci TLJ. Ok, ma petite. Je sais pas si t'es encore là, mais merci. Merci Delphine, merci Elinol, merci Chris. Merci vraiment à vous tous. Vous m'avez fait pleurer. C'est un... je répète, moi j'ai pas d'air, ça fait repleurer. Ouais, Alors, j'ai remercié tous ceux de TikTok. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de notifications. Donc, je vais remercier Twitch. Je vais remercier Mélusine, Monsieur Pépère. Je vais remercier une marmotte du 27. Merci. Merci, une marmotte, parce que tu as fait énormément. Tu as énormément participé pour tout ça, pour toute la déco. En plus de tes gentils messages. Parce que ne croyez pas qu'il passe son temps à me tailler. De temps en temps, Marmotte est capable de me dire des mots gentils. Bienvenue à Gwendodo, bienvenue à Alison, merci beaucoup Your Lord, merci. Bienvenue Capitaine Le Chat, merci Le Vrai Scorpio, Laetitia, Nesfer, et bienvenue à tous les autres. Dis-toi qu'il y a plus de 500 personnes qui sont là ce soir pour te souhaiter un bon anniversaire. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est, ça fait beaucoup et je vous remercie. Vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je tiens quand même à remercier l'ours pour m'avoir installé tout ça. Merci à vous tous qui m'avez offert tout ça. En plus de votre présence et de vous, tous vos petits mots et de toutes vos attentions. Donc, merci, 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 merci beaucoup à vous tous. C'était un plaisir d'avoir participé à la vidéo de ton anniversaire. Ouais, clairement. On s'est défoncé pour sa cagnotte, ça l'a pas fait pleurer. Et là, une simple vidéo l'a fait pleurer. Comme quoi, Leslie est une personne simple qui aime la vie. Par contre, vous êtes tous des tarés de la regarder, je vous le dis quand même. Je tiens à dire que si, pour ma cagnotte, si tu as bonne mémoire, une marmotte, vous m'aviez fait pleurer aussi. Vous aviez réussi à me faire pleurer. Vous êtes quand même assez balèze pour me faire pleurer. Bande d'enfoirés. Et je m'attendais pas à tout ça. Je m'attendais pas à autant de, en fait, de gentillesse et de... Mais vraiment, merci. Nono, je peux pas voir le commentaire que tu as épinglé. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, malheureusement. Parce que. Il y a un bug sur TikTok. Attends, si je me mets là, est-ce que je peux voir? Non, je vois pas non plus. Je sais qu'en ce moment, TikTok bug énormément lors de mes lives. J'en suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je sors de l'ombre pour faire un petit coucou et te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Krakinette.
Merci à vous tous. C'est mérité. Tu es bienveillant. Tu as la communauté que tu mérites. Ouais, est-ce que José t'a souhaité ton anniversaire? Même pas. Même pas. Il m'a pas souhaité mon anniversaire. Il est où le lien de la vidéo? Pourquoi il y en a qui veulent télécharger la vidéo pour la regarder à nouveau? Ok, ma petite saucisse. Merci, Badger. Oh là là, vous m'avez fait pleurer. Hein. Je tiens à le dire. Tu diras à ton mari que ce sont des larmes de joie car j'ai pas envie de me faire dévorer par un ours à la sortie du live. Et un gros big up à l'ours. Ok, ma petite saucisse. Qui, lui, est obligé de supporter la connerie de Leslie 24h sur 24. Ouais, carrément, hein, il souffre. Le pauvre, on le voit à la fin, il fait le signe des femmes battues. C'est enfoiré. Ça parle. Putain, je vous jure. Quelque chose me dit que l'an prochain, on peut faire mieux. Non, c'est déjà très bien, franchement. Du coup, j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire aussi au petit d'une marmotte, le petit girafon, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire au petit girafon. Enfin, petit, tout est relatif, hein, mais bon anniversaire à ton petit, vraiment. Réunion Discord secrète pour commencer à planifier tout ça. Non, 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 vous faites rien de tout ça. Je chante plus jusqu'à la fin de ma vie, je préviens. C'était très gentil. C'était très gentil, Denali. L'année prochaine, Sandos te le souhaitera aussi. Vous allez arrêter vous fixer sur Sandos. J'ai encore reçu trop de messages, c'est affreux. Mais j'essaye d'enlever les messages, mais j'en ai trop. Punaise. Ouais, bravo de m'avoir fait pleurer à ce point. Quelque chose me dit que pour dans 3 ans, ça va être encore 3 fois mieux. Ah, tu parles de mes 40 ans. Oh, mais de rien, une marmotte. Si tu veux, pour ton ami, viens au Krav Maga jeudi avec moi, une séance offerte. Non, ça ira. Ça ira. Tu sais, moi, je suis plutôt une boulette. Une boulette qui a pas envie de faire du Krav Maga. Oh, mais bon anniversaire, Wichette, qui elle aussi est née aujourd'hui, sauf qu'elle, elle fête ses 45 ans. Bah, bon anniversaire, Wichette. C'est l'ours qui a besoin de Krav Maga pour se défendre de Leslie. Arrêtez! Arrêtez! Je vous jure, il est pas malheureux. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh, mais du coup, je peux pas le mettre avec le casque. J'ai même pris un serre-tête absolument dégueulasse d'anniversaire. J'ai l'air complètement à chier comme ça. Il est pas beau? Mon serre-tête d'anniversaire. Alors, celui que j'avais vu, il y avait écrit joyeux anniversaire. Il y avait écrit vive la retraite, un truc du genre. Et je le préférais parce qu'il était doré. Je me suis dit, ouais, ce sera assorti au ballon qu'il y a derrière. Et sauf qu'il n'y avait pas. Et du coup, bah, il est rose. En fait, on voit pas trop, mais si, il est rose. Et puis, bon, vous connaissez mon amour pour la couleur rose. Ça fait très comédie américaine. Ouais, c'est magnifique, hein, là, je... Ouf! Du coup, c'est génial parce qu'il est 21h11, mon live a commencé depuis 40 minutes et je suis là comme une merde à chialer devant vous. Vraiment. Oh mon Dieu. C'est... Vraiment. On t'aime en tout cas, mais moi aussi je vous aime et vous vous rendez même pas compte de tout le bonheur que vous m'apportez et de... À quel point faire des lives avec vous, c'est un bonheur. Ça me vide la tête. On voit pas le néon avec le serre-tête. Je préfère voir le néon que le serre-tête. C'est un bonheur, vraiment. Parce que dire y a aucun live que je me dis « Oh, il faut que je live ce soir ». J'ai jamais le fait de savoir que je vais vous retrouver...
C'est toujours. Je sais que je vais passer un bon moment, que vous allez me faire rire. Et c'est toujours un moment de bonheur, vraiment. Je tiens à le dire. Donc merci, merci, merci vraiment à vous tous. C'est. J'ai beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec le fait d'avoir autant d'attention. D'habitude, je suis plutôt du genre à accorder beaucoup d'attention et à beaucoup donner. Et que là, en fait, les Ok, ma rôles petite s'inversent et que saucisse. ce soit vous qui me, en fin de compte, qui me donniez de l'attention et des petites attentions. En plus, ça me. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Et toi, tu n'imagines pas à quel point j'attends tes lives. Oh, c'est gentil. Vous avez été très nombreux à me dire que voilà, mes lives vous faisaient du bien moralement, que ça, j'étais plus efficace qu'un antidépresseur, que je devrais être remboursée par la Sécu. Vous avez été excessivement nombreux à me dire ça et je vous remercie. Je vous remercie parce que ça me fait un bien fou aussi. Ça. Vraiment. Tu es rayonnante. Ouais, bon, là, j'ai le nez rouge, je ressemble à Rudolf. Hein. Pour ton anniversaire, j'ai le droit à un petit, c'est la grenouille du voisin. Alors, oui, mais un petit. Tu as le droit à un petit, c'est la grenouille du voisin. Voilà, tu as le droit. Je râlerai pas s'il y a la grenouille du voisin. Aujourd'hui, voilà, ce soir, c'est mon anniversaire. Donc, s'il y a la grenouille du voisin, je râlerai pas, parce qu'après tout, je suis déjà habillée en grenouille. Tu es unique et t'as réparti face à certains cas, j'oublierai jamais la vue au PCR. Oh ouais, punaise ça. Fallait pas dire oui, tu vas l'entendre à mort. Non, il m'a demandé s'il avait le droit à une petite grenouille. Tu as oublié un truc hyper important là? J'ai oublié quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous me faites peur. Petite confession, tes lives m'ont évité de justesse la dépression. Tes lives m'ont aidé. Oh là, attendez, j'ai pas eu plus. Bienvenue, Patoche Bibi. Tes lives m'ont évité de justesse la dépression. Tes lives m'ont aidé à me détendre et ne pas craquer, ne pas abandonner mon petit garçon. Alors, mille merci. Oh, génial. Quand ça touche les enfants, c'est toujours compliqué pour moi. S'il vous plaît, à tous les parents, vraiment, même si la vie est compliquée pour tous, hein. Pour tous, par pitié, préservez vos enfants. Préservez vos enfants parce que ce que vous faites peut avoir un impact sur leur vie adulte qui peut être très grave. Et ça peut leur coûter des années de peine et d'être perdu. Vraiment, à tous les parents qui sont là, je vous le demande très fort, préservez vos enfants. Préservez leur enfance, prenez soin d'eux. Il n'y aura qu'une seule enfance, il n'y en aura pas deux. Profitez tant qu'ils sont petits. La seule chose qu'ils demandent, c'est du temps et de l'amour. Donnez-leur. Donnez-leur et les brisez pas, s'il vous plaît. Ne brisez jamais un enfant. C'est ce que je vous demanderai. C'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur et. Et je veux vraiment prenez soin de vos enfants. Même s'il y a des personnes plus âgées et que vos enfants sont déjà grands, prenez soin d'eux, qu'importe leur âge, donnez-leur juste du temps et de l'amour. C'est la seule chose dont ils ont besoin. Voilà. Bonsoir la Queen, très joli fond. Mais je suis contente que ça vous plaise parce qu'après tout, c'est vous qui m'avez offert tout ça. Donc merci.
Voilà. Non, Leslie, ne pleure pas, c'est ses yeux qui transpirent. Oui, voilà, je pleure pas, c'est le pilou-pilou qui me tient chaud. C'est la grenouille du voisin. Ça, c'est la grenouille du voisin que j'ai acceptée à une marmotte, je pense. Oh, mais j'ai quelqu'un d'autre. C'est la grenouille du voisin. Alors, malheureusement, je ne sais pas ton pseudo, mais Clara, merci. Parce que je viens de voir que Clara... Une marmotte. Une grenouille, d'accord, juste une. C'est bon, on arrête là. Merci d'être arrêté. Je fais que de pleurer. Leslie fragile, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Même si l'ours me dit t'as une force, je m'estime tellement fragile, vous avez même pas idée. J'ai l'impression d'être en sucre et de pouvoir me casser à n'importe quel instant. Donc c'est très compliqué. Oh, Lalin, des bisous, j'avais pas vu. Lalin, un milliard de bisous, ça me fait très plaisir que tu sois là. Oh là là, vous m'avez fait pleurer. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Oh, merci. Merci, Jody. Merci beaucoup. J'avais pas prévu de pleurer ce soir. Ouais, moi non plus, j'avais pas prévu de pleurer ce soir. Vous êtes trop adorable et trop gentil. Et vous m'avez fait pleurer. J'avais pas prévu, moi, de pleurer ce soir. Je vous rassure, c'est des larmes de joie. C'est des larmes de joie. J'ai le nez absolument tout rouge. Je ressemble à Rudolf, mais c'est pour la bonne cause, vous me direz. 100 bisous, grenouille. Oui, j'ai vu une marmotte que tu m'as envoyée. 100 bisous. Si on peut appeler ça des bisous. Tu m'as envoyé 100 bisous. Oui, en effet. Et merci. Merci. Mais j'ai dit oui que pour une grenouille. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus de grenouille, d'accord? Leslie, que devient Vanessa? Vanessa continue toujours à essayer de m'appeler, autant sur le portable du flic que sur son portable à elle. Je vais vous montrer, évidemment. Tu me fais pleurer par tes mots qui sont si touchants derrière une forme... derrière une forme exceptionnelle se trouve une femme exceptionnelle. Merci de m'apporter des moments de folle rigolade dans une vie bien nulle et absolument pas préservée par une enfance chaotique. Mais voilà, le rire, ça fait tellement du bien. Mes enfants t'envoient des bisous pour ton anniversaire. Oh, merci. Merci à tes enfants, Catherine. Elle t'a dit joyeux anniversaire? Non, parce que je vais vous répondre en toute honnêteté. Je n'ai pas réécrit quoi que ce soit à Vanessa depuis vendredi soir. Vanessa, c'est-à-dire... Je vais enlever le casque parce que pour le moment, je ne l'appelle pas. J'entendrai pas les alertes, mais bon, je les lis. Vanessa a terminé sur le fait que José se fasse buter à coups de pelle. Ah, il y a le chat qui passe. Bienvenue, Volcomor. Bienvenue à vous tous, hein, évidemment. Perso, mes enfants, c'est ma raison d'être toujours debout. Je les aime comme pas permis. Toujours, je prendrai soin d'eux grâce à eux. Je sais pourquoi j'existe. Oh non, mais prenez soin. Bidule, Bidule, on t'embrasse. Bidule ou Terton? Non, Bidule. Terton, elle a plutôt tendance à faire sa life dehors. Donc c'est Bidule le patachon. Donc ouais, Vanessa est restée vraiment sur José qui se fait buter à coups de pelle par Madame Grimaud. On en est resté là. Voilà. Ça parut. Merci Cookie Mick. On a eu peur là, tu sais. Oh, je sais. Mais je sais que ça, tous ceux qui ne connaissent pas ont toujours très peur quand je chante ça. Quand je dis Bidule, Bidule, on t'embrasse. Ils ne s'attendent pas à entendre on t'embrasse.
Je le sais, et c'est, je sais que ça vous fait peur. Et du coup, moi, ça me fait rire. Évidemment. Avec le 3 qui a tourné, ouais. Voilà. On se tient en équilibre sur le rideau, fixé avec du fil de pêche. J'ai envie de vous dire, le budget effet spécial, 1,59€. Super chouette le nouveau décor. Comme je suis contente que ça vous plaise, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et en plus, je suis super heureuse parce qu'à la base, c'était prévu que je reçoive le néon demain. Et en fin de compte, je l'ai reçu aujourd'hui. Et là, j'ai envie de vous dire, vraiment, on est très loin du mur blanc qu'il y avait à la base derrière moi, je vous rappelle. J'avais un mur blanc où il n'y avait rien du tout. Je vous avais accroché à un pauvre sapin de Noël pour Noël. Et là, là on est sur du décor de qualité, hein. Vraiment. Là, on est sur du décor voilà, qu'on peut voir chez des streamers. C'est la grenouille des voisins. Je n'ai pas le casque, mais j'ai entendu c'est la grenouille du voisin. Je tiens à le dire. Je ne sais pas qui c'est. T'as intérêt à ce que ce soit pas toi une marmotte. Hein. Je vais aller vérifier quand mon téléphone voudra fonctionner. Mais j'ai entendu que c'était la grenouille du voisin. Bon, ça veut pas. Ça veut pas. C'est la star montante de Twitch. Ouais, on va se calmer. Je suis pas la star montante de Twitch, mais j'essaye de, voilà, de vous faire plaisir. C'est vrai que vous avez été... j'ai vu la réaction qui a été vraiment spontanée. Hein. C'était, quand j'ai enlevé le sapin de Noël, d'un coup, vous avez fait « Waouh, mais en fait, c'est ultra vite derrière toi !» Parce qu'avant, vous disiez rien parce que vous étiez habitué à voir le mur blanc derrière moi. Et là, d'un coup, ça vous a sauté au museau, comme on dit. C'est bon, c'est pas toi une... Merci, Clara. C'est pas toi une marmotte. T'as eu chaud aux fesses, je tiens à le dire. Et donc, voilà. Mais c'est grâce à vous qu'il y a qu'il y a tout ça. Ah, je vois qu'il y a Carole qui est là. Attends, j'ai pas lu. C'est une chialeuse, mais toi, Carole, moi, je suis une chialeuse. Qu'est-ce que je devrais dire de toi, Denis, ta femme, elle est en train de dire que je suis une chialeuse alors qu'elle est encore plus grosse chialeuse que moi. Ouais, je m'en fous, je balance. Denis, ta femme, elle m'embête. Merci beaucoup, chaud du turfu. Mais moi aussi, je t'aime, Carole. Waouh, super le mur, bravo. Ouais, c'est trop sympa, hein, j'adore, c'est canon. Hein. C'est canon avec le néon et tout. Bon, par contre, le néon, je peux clairement le laisser que de cette couleur, parce que si je le mets dans une autre couleur, on lit rien. Là, comme ça, on lit. Là, c'est chelou, le rouge. Hein. En même temps, je déteste le rouge. Merci, Manoso. Fais un coucou à Carole de ma part, arnaque-moi si tu peux, contente de l'avoir vue sur la vidéo. Mais Marie-Ange, vu que Carole est sur TikTok, elle te lit. Elle va lire ton petit message. Donc en rouge, c'est chelou, j'aime pas. Bleu, ça fait bizarre aussi, vous trouvez pas? Ok, ma petite saucisse. Que vous en pensez? Merci beaucoup, Sangamour. En vrai, les rouleaux pour le mur végétal... Oh, merci, Manos. Oh, merci. On voit bien toutes les couleurs. Non, mais bleu, je trouve ça... Je sais pas, vous trouvez pas que ça fait bizarre, bleu? Dans le mur végétal? Ouais, merci, Manosso. Vraiment, c'est adorable. Si c'est pas trop indiscret, combien tu as payé le néon? Mais je vais être totalement transparente, hein, je préfère vous le dire, parce que vu que c'est vous... Vous tous ici présents qui m'avez offert ce néon, je vais exactement vous dire le prix que je l'ai payé. Je l'ai payé parce que j'ai pas le prix en tête, évidemment. Comment je fais pour voir? Voir les détails de la commande. Je l'ai payé 219,97€. Évidemment, je n'aurais jamais sorti ça de ma poche.
Et c'est vous qui me l'avez offert. Donc voilà. C'est la grenouille des voisins. Le néon qui s'enjaille. Ouais, en plus, il y a un mode absolument dégueu. Attendez, je vais essayer de le mettre. Oh, c'est dégueu, hein. On se croirait pas un peu dans les bars de mauvaise fréquentation où il y a des femmes très disponibles en arrière-boutique. Hein ? Et c'est parti ! Ouais, on veut que tu rendes la monnaie quand même, on veut les tickets pour les comptes. Oui, c'est absolument dégueu, on est d'accord. Hein. Après, il y a la version un peu plus... Ouais, en fait, je sais pas ce que c'est, ça. Oh là, c'est ultra lumineux, là. Oh, regardez. Oh, c'est dégueu. Oh, c'est violent, hein. Attendez, je baisse la luminosité. C'était ultra violent, là. Attends, mais comment on fait pour enlever le clignotement? Voilà. Donc, vous aimez bien bleu. Vert, on voit même pas que c'est vert. Hein. Ça se fond dans le décor. J'ai failli... Ouais, c'était violent, là. Fait boîte de nuit ce soir. Ouais, non, mais c'est ça, vous avez vu là, quand j'ai mis la luminosité à fond. Non, mais je préfère comme ça, là. On voit bien. Vous trouvez pas que c'est quand même le mieux. Le plus mieux, bien, bien. Je vais faire une crise d'épilepsie. Ouais, non, mais c'était un peu... Bleu, j'adore, ambiance tamisée. Alors, vous aimez bien le bleu, vous, hein. Attendez. Comme ça, vous aimez bien. C'est pas encore un peu trop lumineux, non, c'est bon. Comme ça, vous aimez bien bleu? Ouais, vous... non, c'est mieux blanc. Oh là là, je vais... Bleu, un poil moins fort. Ouais, mais je peux pas mettre moins fort, je crois, le bleu. Non, je peux pas mettre moins fort, là. C'est au plus bas. Hein. Je peux pas. Blouge. Ouais, blouge, c'est bien. Toutes les couleurs sont bien. Non, rouge, j'aime pas. J'ai horreur de cette couleur, de toute façon, le rouge. Oui, bleu. Bleu, c'est chouette. C'est bien aussi, t'inquiète. Oh, je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on peut changer les lumières comme chez Sam? Non, pas du tout. Non, non, j'ai une petite télécommande comme ça. Pourquoi à chaque live, tu ferais pas une couleur différente? Ouais, je sais pas. Ah, ils ont fait un sondage. Ok. On peut voir en violet? Je crois pas qu'il y ait violet. Alors si, là, c'est violet, mais vous le voyez pas. C'est violet, là, je vous jure. Là, c'est violet. Là, c'est même violet flashy. Mais vous voyez pas, en fait. Là, c'est rouge. Non, là, c'est rose, attendez. Là, c'est rouge. Là, c'est rouge. C'est caca, on n'aime pas le rouge. C'est caca. Ok, ma petite saucisse. Et là, c'est bleu. Et là, c'est vert. Mais ça se voit pas spécialement trop. Là, c'est vert clair. Et là, en fait, c'est jaune. Moi, j'aime bien comme ça. Merci, Rio. C'est bien jaune. Jaune, c'est bien. Bon, on va laisser comme ça, jaune. On va peut-être passer à Vanessa, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il est quand même 21h30. Hein. Look le Discord, on a trouvé un overlay pour aller à ton... avec ton décor. Qu'est-ce que vous m'avez trouvé encore? Look ton Discord. Hop, hop, hop. Tac. C'est quoi? C'est sur le serveur? C'est sur le général? Ah oui, ça irait super bien avec mon décor, ça. En effet, c'est très joli. Grave. Ouais, en effet, il irait super bien avec le mur végétal. Bon, on est déjà très content d'avoir un mur végétal. On va pas mettre en... On va pas mettre un overlay. Il n'y a pas du rose, si, mais vous voyez pas spécialement rose. Mais en même temps, comme vous le savez, ma webcam, elle est en train de dead gentiment.
Ça attendra le mois prochain. Et je changerai de webcam. Voilà. Combien le mur a coûté? Alors, le néon, on va arrondir à 220. J'en ai eu le mur végétal. Je sais plus parce que je l'ai pris avec les LED. Oui, parce qu'il est censé y avoir des petites LED partout dans le mur végétal que LED que je n'ai pas reçu, que je devrais bientôt recevoir. D'ailleurs, j'ai reçu un mail qui me dit votre Colissimo arrive. Donc, je suppute que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est Planète Gâteau. C'est pour les gâteaux du week-end prochain. Ah si, ça doit être ça. Si c'est ça, c'est le 24 janvier. Donc je suppose que c'était ça, voilà. Je sais pas, on verra. Est-ce que José s'est remis avec Vanessa parce que j'ai pas suivi après? Bon, on va voir, hein, parce que là, pour l'instant, on est resté sur le fait que José avait été buté par Madame Grimaud. On va voir. Donc, on attend les lettres pour le costume de Ladybug. Alors, comme j'avais dit, Rio, lors d'un live, tu devais pas être là. J'avais dit que je voulais qu'on change le déguisement parce que le cosplay de Ladybug, c'est une combinaison moulante. Et je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de montrer mes formes en live. Parce que voilà, j'ai des formes et je n'ai certainement pas envie de mettre une combinaison ultra proche du corps, ultra moulante, qui montre absolument tout. C'est pour ça que lors de mes lives, je suis toujours, toujours, toujours dans des pilou-pilou dégueulasses ou des pulls larges, parce que ça cache tout, ça camoufle tout. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'on avait changé et qu'en fin de compte, les gens avaient choisi ce pilou-pilou grenouille pour que ça représente la grenouille du voisin. Donc on était parti là-dessus, en grenouille du voisin. Marie-Lou fait la même, comme ça elle est tranquille. Oui, bah voilà, au moins comme ça tu me comprends, Thomas. Ah bah voilà, quand on parle du loup, on envoie le museau. Vanessa qui appelle, c'est parti, on va répondre de suite. Tant qu'à faire. Allez. Allô? Allô? Vanessa? Vanessa? Tu vas bien? Vanessa, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Je viens de me réveiller. Quoi? J'étais enfermée dans un sac poubelle. J'arrivais plus à respirer. J'étais dans le sac poubelle. J'ai réussi à sortir du sac poubelle et là, je suis tout nu dans les bois. Je sais pas. Ok, tu sais, faut te calmer. Mais Va chez le père Sylvestre, ok? C'est pourquoi je suis tout nu dans les bois? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. C'est Géraldine, écoute-moi, elle m'a fait. Elle t'a tué. Elle a essayé de me tuer? Je me rappelle plus. Je me rappelle juste Oui, écoute. d'une Écoute-moi, peine. Elle va écouter un message, ok, écoute. Oui, je t'écoute. Là, le réseau balance. Qu'est-ce qu'il y a? José? Oui, je suis là. Un message, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Écoute-moi, un Je message. t'écoute. Oui, je t'écoute. Vanessa, faut que tu parles si tu veux, je t'écoute. Vanessa. 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 Je vais t'envoyer un Vanessa. message, tu vas écouter. Oui, d'accord. Il faut que j'aille où? Parce que là, je suis tout nu dans la forêt. Vais t'envoyer un message. Vanessa, en plus, il y a un hibou. Dis-moi. Il y a un hibou, Vanessa. Tu vas du côté de Géraldine. Il y a un hibou. Il y a le hibou qui hurle. Calme-toi, José. Il y a le hibou qui ulule. Oui.
J'ai peur. Écoute-moi, il faut que tu vois Géraldine. Elle veut te tuer. Géraldine veut te tuer. Elle veut me tuer. Oui, mais, oui. Mais elle pourquoi m'a dit, elle m'a dit qu'elle t'aime pas, que ça coûtait bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je vais aller chez le père Sylvestre. D'accord, il t'envoie le message, tu vas écouter, ok? D'accord. Elle m'a dit qu'elle t'aime pas. Vanessa, je fais comment? Ça fait pas Géraldine, elle t'a piégé, ça coûte ton argent, elle veut tout ton argent. Vanessa, je fais comment? Il y a le hibou, il ulule. José? Oui. Tu m'aimes toujours, tu m'aimes? Mais bien sûr, je t'aime. Mais je fais comment? Que je suis hibou, il arrête pas d'ululer. Laisse l'hibou, il va arrêter de faire. Ok, reste calme. Mais il me fait peur. Il me fait peur, le hibou. Je fais quoi? Imagine, il m'attaque. José? Oui. José? Oui. José? Oui. T'as le numéro de la police? Le numéro de la police? Mais oui. J'ai un policier, c'est Monsieur Daniel qui a essayé de m'appeler. Je peux peut-être essayer de le rappeler. D'accord, mais écoute-moi. Tu vas aller chez le père Sylvain. D'accord. Je vais aller chez le père Sylvain. Et aller chez le père Sylvain. Dis le père Sylvain qui est du voisin Géraldine, ok? D'accord. Je vais chez le père Sylvestre, on se rappelle dès que j'y suis. Parce que là, je suis tout attends, nu dans... Écoute-moi, d'abord. Oui, mais Vanessa, je suis tout nu dans la forêt, j'ai froid à la couille, là. Je me pèle la couille, là. Arrive chez le père Sylvestre, appelle-moi. Ouais, je t'appelle quand je suis chez le père Sylvestre, j'ai besoin de mes mains pour faire... Je te vomis dans la bouche, mon ami. Moi aussi, je te vomis dans la bouche, mais là, il faut que je me réchauffe la couille, j'en peux plus. D'accord, on se rappelle après. D'accord, va vite. Oui, je vais voir le père Sylvestre. Je vais voir le père Sylvestre. Je te vomis dans la bouche, Vanessa. Je lui dis que tu veux divorcer Géraldine, ok? Oui, d'accord, je lui dis que je veux divorcer Géraldine. Ok. Je lui dis que tu veux te marier avec moi, ok? Ok, d'accord. D'accord, je te rappelle. Je te vomis dans la bouche. Oui. Et t'envoies le message, ok? T'envoies un message, tu vas écouter. Je vais écouter le message et je vais aussi dire bienvenue à Vivillance. À Vivillance et à Gold Destruction. Je leur dis bonsoir. Et bienvenue parmi nous. Tu m'envoies le message, je l'écoute. D'accord? Vanessa? Allô? Oui, c'est là? Oui. Et pour le hibou, je fais quoi? Bonjour, José, laisse l'hibou. Vanessa, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est ton anniversaire? Oui, tu peux me chanter une petite chanson? Ok, je vais te chanter une chanson après, ok? Non, maintenant, j'ai besoin de réchauffer mon cœur. Ok? J'ai besoin d'une chanson maintenant. J'ai besoin de réchauffer mon cœur, Vanessa. D'accord. Un instant, il y a des... T'as le réseau qui balance. C'est pas grave, on va s'enjailler en attendant. Vanessa? Oui? Oui. Tu veux chanter? Oui, vas-y, chante-moi une chanson, réchauffe ma couille, s'il te plaît, Vanessa. Oui? Oui? Je n'ai pas audio, ok? Je n'ai pas audio, le message. D'accord, ok. Ok. J'ai raccroché. Attendez un instant, je crois qu'il y a Bidule qui est allé faire popo, ça pue. Oh putain! T'as chié mon gars là! Oh bordel! Oh, t'as trou du cul pourri! Oh, fermez la porte, hein! T'es pas dans la salle de bain? Ah! Ça fouette!
Ouais, il a fait la grosse commission. Le petit chatounet a déféqué et du coup, ça me brûle le nez. Allez, 3 rimes d'affilée. Hop. Oh, 4. Les odeurs de forêt ne sont plus ce qu'elles étaient, totalement. Cadeau d'anniversaire, ouais, c'est Bidule qui... C'est fait avec amour. C'est sans dose. Ah, attendez, je viens de voir qu'il y en a d'autres qui ont fait la grenouille du voisin. Donc, merci... Je vais juste dire le prénom comme ça. Merci Nicolas. Merci. Merci à vous tous, vraiment, pour tout. Moulé avec amour, c'est le cake. Oh là là. Il est gentil, ce chat. Il est gentil. Il est gentil. Bah écoute, à force... Ok, ma petite saucisse. Merci Delphine. Mais à force de... À force qu'elle entend aussi, je te vomis dans la bouche, ouais, c'est ça. Tu as l'idée dans mes pensées, j'espère que tu dises « J'ai froid à ma couille ». Ouais, j'ai froid à ma couille. Je pense que... Parce que quand on a froid, on dit « On se pèle les couilles », on se... Voilà. Et bah du coup, là, je trouvais que c'était bien placé de dire « je me gèle la couille », quoi. C'est beau. C'est beau. Même Vanessa, elle est attentionnée. Elle veut bien te récupérer. Vanessa veut surtout récupérer mon compte bancaire. Surtout ça, ne l'oublions jamais. Hein. N'allez pas croire que Vanessa est gentille quand elle essaye de me dépouiller. Ceci dit, Vanessa, vendredi soir, m'avait envoyé José, tu vas bien là. J'avais pas répondu. Ensuite, samedi, elle m'avait écrit « Ma petite Niki, demain, appelle le père Sylvestre et dis-lui que tu veux divorcer de Géraldine, sinon elle te tuera, s'il te plaît. Faire-le, moi, je t'aime et je veux pas te voir mourir. Bonne nuit à toi, bisous, je t'aime et je te vomis dans la bouche. Demain, appelle-moi, j'ai quelque chose à te montrer de la part de Géraldine. » Attendez, je vais quand même vous montrer ça. Attention, transition. Et j'ai pas configuré. Wouhou ! Alors... voilà. Donc, voilà ce que m'a dit Vanessa. Demain, appelle-moi, j'ai quelque chose à te montrer de la part de Géraldine. Ensuite, bonjour ma petite Kniki. Ensuite, j'ai eu le droit à... Le petit bonhomme en bouche qui s'élange et rate le pager. C'est comme la chanson douce que chantait ta maman le soir. La petite marionnette qui s'étale et qui s'entête, c'est l'enfant qui rit le soir. Où... On passe à la fin parce que nous on aime les la 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 la. La 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 la. Ça va être à vous tous. Ça va être à vous tous. La 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 la. Ouais, la 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 la. C'est dit. La 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 la. Et les mains en l'air. Et les mains en l'air. La 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 la. Ouais, ouais, là. Alors, celui-là, je n'ai pas encore écouté. Il est encore en petite bulle verte. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Hein. C'est parti. Il y a des colérants pas marins. Du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pour Biquette, la petite Juliette et son Rubio, tournant à poil dans les films porno. Il n'y a pas plus d'amour sur pellicule que des fleurs sur le bitume. Pas beau, pas être beau. Oh, 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 mon cinglé, hé, hé, hé. Je t'aime pas la peau, oh oh oh, je t'aime, y'a qui dégagne le pied. Pour une poignée de dollars, y'a des bombes A et des bombes A qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros zizi amène dada, du son à la une des gazettes. Planète, beau, oh, oh, mon cinglé, j'étais dans la peau, oh, oh, je t'aime,
faut dire qu'il y a quand même, je t'aime, 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 des méconduits sous les, je t'aime, 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 dans la tête, je t'aime, 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 sur ma planète, je t'aime, 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 des mecs qui pensent pas, je t'aime, 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 que c'est chacun pour soi, je t'aime, 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 qui se tend les bras, je t'aime, t'aime, t'aime. Sur ma tête à moi, et les mains en l'air, la 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 la. Bienvenue Dark beau gosse. Je t'ai pas là, je t'aime, t'aime, t'aime. Oh, c'est enfin fini, mais quelle souffrance, quelle souffrance. Donc, et le vocal, attention, du coup, c'est un vocal de Cento. En Madame Grimaud, c'est parti. Écoute-moi bien. Je monte dans ma voiture. Attendez. Bienvenue, Brague. On va y remettre du début parce que vu qu'il y a eu l'alerte, on n'entendait pas. Écoute-moi bien. Je monte dans ma voiture. Je vais à un rendez-vous important. Donc tu me laisses tranquille, je te reparle plus tard. Je rentre en soirée vers 1h, 2h du matin. Mais je sais pas qui t'es. Alors oui, j'ai tué mon mari, mais je t'en dirai pas plus. Voilà. Donc je rentre à 1h du matin à peu près. Je t'écris à ce moment-là. Je te souhaite une bonne soirée et à plus tard. La 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 la. Bienvenue Gratte-Bois. Du coup, à chaque fois qu'il y a en fait cette annonce, cette alerte, à chaque fois je mets les bras en l'air parce que je suis une grosse teubée. Donc, bienvenue Gratte-Bois. La 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 la. Juste pour dire, donc Madame Grimaud bute José à coups de pelle, quand même, faut dire les choses. Elle le met dans un sac poubelle. Et ensuite, elle part en soirée sans jaillir. voilà, c'est quand même assez grandiose. Du coup, j'ai eu le vocal. Mais je ne sais pas si Sam est là. Elle aimait en l'air. La 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 la. La 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 la. Bienvenue, Roméo Galou. La 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 la. La 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 la. Et je vais finir fit girl hein, à faire ça. La 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 la. Ouais, non, arrête de rêver, meuf. Tu seras toujours grasse comme un loukoum. C'est bon. Avec le fric de José, elle va en boîte, c'est ça. C'est que chez moi que le son est hyper bas. Les alertes? Parce que moi, je l'entends super fort. Hein. Put your hands up in the air, put your hands up. In the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Les alertes sont good, on les entend bien, d'accord, c'est bon. Le live en général, ah ok, bon. Qu'est-ce donc cela, encore? Qu'est-ce donc cette sorcellerie? Allô? On les entend bien, d'accord. Oui, bonjour, vous avez commandé un divorce. Oui, mais du coup, c'est possible que je t'appelle sur Discord, ce sera plus simple. Bien sûr, bah, Lily, c'est que je suis encore en bas. Ah, je vais d'accord. Confirmer avec toi. Bon, bah, va te poser devant ton ordi. J'arrive, à tout de suite, je vais y monter. À tout de suite. Mais qu'il est chou, notre Sam, on l'adore. Donc, on va divorcer. On va divorcer et on va se remarier avec Vanessa. Allez! Allez, c'est parti. Ah, c'était bas. Non, en fait, dans le vocal de celui-là, attends, phare. Écoute-moi bien. Là. Je monte dans ma voiture. Je vais à un rendez-vous important. Donc tu me laisses tranquille, je te reparle plus tard. Je rentre en soirée vers 1h, 2h du matin. Mais je sais pas qui t'es, Alors oui, j'ai tué mon mari, mais je t'en dirai pas plus. Voilà. Donc, je rentre à 1h du matin à peu près, je t'écris à ce moment-là. Je te souhaite une bonne soirée et à plus tard. C'est bon, c'était beaucoup plus fort, vous avez mieux entendu.
Dites-moi, suis-je bête, Sam ne peut pas être Madame Grimaud car Madame Grimaud conduit. Désolée de cette blague pourrissante. Le pauvre, il a rien demandé. J'avais besoin d'une chanson en qualité radio, j'ai pensé à ça. Ah bah Vanessa rappelle déjà. Bah Vanessa, elle attendra un petit moment parce qu'on n'est pas encore arrivé chez le père Sylvestre. Donc Vanessa va attendre. Elle est plus à sa prête de toute façon. Attendez, je suis là, c'est bon. Je crois que j'ai rejoint la commu la plus dingue de la Terre. Mais non, on est gentils et normaux. TikTok, prenez ma défense. Hein, on est gentils et normaux. On est des gentils. On est des gros gentils, nous. Oh putain, je sens le caca de bidule jusqu'ici. Ah putain, ça fouette. Tu lui as dit, oublie pas que tu as reçu une balle dans le pied. Ah oui! C'est vrai. Ouais, non, mais on va attendre que le père Sylvestre ait fini son thé, qu'il puisse se caler tranquille, pépouze, hein. On est des gentils normaux qui pleurent. Ouais, c'est ça, voilà. Attendez, d'ailleurs, je suis en train de penser, parce qu'une fois que je coupe l'ordinateur, j'éteins tout, et moi, c'est un coup. Je me prenne dans les ballons, comme une petite balle. Hop. Voilà. Parce que je vais me les prendre dans la tronche et je vais avoir peur et je vais crier et je vais réveiller tout le monde. Donc j'enlève les ballons. Et comme ça, je me prends pas la tronche dedans, je pousse pas de hurlements, je me fais pas peur toute seule comme une grosse mongole. Et tout ira bien, voilà. Juste parce que je pense à enlever les ballons maintenant. D'ailleurs, je vais repasser comme ça. En gros plan sur ma face. Enfin, gros plan. Tout est relatif, hein. Quoi que ceci, je peux tenter de vous faire un zoom dégueulasse, attendez. Je m'en fous, j'ai jamais fait ça, mais je vais tenter de le faire. Zoom. Eh ouais, go. Là, c'est normal. Là, c'est pas normal. Là, c'est normal. Là, c'est pas normal. Je m'amuse toute seule. Chien le dire, hein. Il faut que j'arrête. Je vais arrêter. Je vais arrêter. J'ai découvert ça et maintenant je vais vouloir jouer avec. Non, t'as rien découvert. Tu n'as rien découvert. Tu ne fais pas ça. Tu lâches ce bouton. Je lâche ce bouton. Je lâche ce bouton. Je lâche le bouton. Je lâche le bouton. Ok. Je peux pas rester sérieuse jusqu'au bout, je suis désolée. Au départ, tu voulais pas la dégager, Vanessa? Ouais, mais Vanessa, elle court tellement bien, elle court tellement vite qu'en fin de compte, j'ai vraiment envie de la garder. Je vais la garder. Bon, j'arrête. Non, j'arrête pas, j'ai menti. Je me fais rire toute seule, je suis vraiment trop conne. Shining à côté, ça fait moins peur. En même temps, il faut savoir que très souvent, quand mes enfants me parlent, ils me font « Maman, maman », et en réponse, ils ont ça. Et je bouge pas, je les regarde, je les pique comme ça. Et ça arrive très fréquemment. Et du coup, ils restent face à moi en faisant « Maman, maman !» Et moi, je reste comme ça. Ah, attends Sam, j'arrive. J'arrive, j'étais en train de jouer avec le zoom de la caméra. J'arrive Sam. Attends. Oh putain. C'est bon, j'ai compris. Ok. Non, toujours pas. Ok. Ah si, ça y est, c'est bon. J'arrête de jouer avec le zoom. C'est bon. Du coup, nous disions... Didadidadidadidadou. Il est où notre Sam? Hop. On appelle Sam. C'est bon, je suis en train de l'appeler.
On va attendre qu'il décrochouille. Ça sonne. Tu es complètement instable, j'adore. Je suis con. Il y a aucune logique dans ma tête. C'est horrible. Elle fait tout pour te récupérer, pour te voler, alors il vaut mieux la garder. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas, Sam? Ça va. Oui, ça va. Je peux t'assurer que là, t'as une chance incroyable d'être aveugle. Pourquoi? Est-ce que tu faisais jouer avec le zoom sur ta gueule? Ouais, j'ai passé mon temps à ça, là. Je me suis éclatée toute seule, comme une gosse, hein, mais vraiment. Je me doute. Ah ouais, je... En même temps, c'est bien pour ça. Hein. Mais ça avait pas l'air de les déranger. Ça vous dérangeait pas? Ça vous dérangeait pas? Ils te le diront pas, ils ont trop peur. Non. Non. J'adore. En plus, tu sais, mon visage, c'est de la pâte à modeler. Je peux tellement faire des grimaces trop easy et trop rapidement. Mais c'est, je te jure, mon visage est de la pâte à modeler. Hey. Vraiment. On a vu pire pendant les guerres. Tu sais, j'ai failli te dire, est-ce que ça garde l'empreinte? Mais oui, en plus, on a la preuve que oui. Mais oui, mais oui. Non, mais le plus drôle, c'est mon nez. J'ai le nez en mousse. Alors là, tu peux pas voir, mais en fait, je suis en train de m'écraser le nez. Je peux vraiment me l'écraser. Et j'ai le nez en mousse. C'est un truc de fou. Je peux le tordre dans tous les sens. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Faites quelque chose. Les gens disent non, on n'a pas peur, tu sais, avec des smileys complètement terrifiés. Non, tout va bien, on est rassurés. Voilà. Oui, mais bon, Tipeee Mousse le dit, t'as tous les droits, c'est ton anniversaire. Tu peux pas voir à Sam, bah oui, ça pour le coup, elle est sûre que je peux pas voir du coup. Mais oui, pour le coup, t'es chanceux, hein, parce que du coup. Plus. Mon père disait qu'un coup de vent allait passer et que j'allais rester coincée. Ouais, moi aussi, on me l'a dit. Et regarde, quand c'est tu faux. Louches. C'est faux, oui. Et ce que j'aime bien, c'est faire ça, mais attends, il faut que je me mouche avant. Mais j'adore faire ça, mais j'arrive pas à tenir longtemps. Attends, il faut que je me mouche. Et j'adore faire ça. Et ça, mes gosses, ils aiment pas quand je leur fais. Après, j'ai la narine, elle fait piou. Tu sais que ça fait le vieux coup de pression, le vieux pfff. Ça parut. Ah, alors, Vanessa m'a envoyé une capture d'écran de sa discussion avec Géraldine qui dit « Tout ce que tu sais sur moi, c'est faux, Géraldine. Il n'y a que José qui m'appelle. Comme ça, c'est un faux nom que je lui ai donné. Donc maintenant, tu vas arrêter de m'emmerder. J'étais avec lui pour l'argent, c'est tout. Maintenant, il est mort. Passe à autre chose, Vanessa. Compris ? Oh putain. Elle balance tous les dossiers. Vanessa la balance. Alors, est-ce que tu as remarqué juste, je ne l'ai pas mis en commentaire parce que j'étais en train de monter, quand tu as mis le petit bonhomme en mousse, la dernière version qu'il t'a envoyée, ouais. Je suis désolé, on dirait qu'il s'élance et qu'il rate le point G, on dirait qu'il dit. Attends, va réécouter. Je suis désolé, on dirait qu'il rate le point G. Attends. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et rate le point G. Ah oui! On est d'accord! Le petit bonhomme qui s'élance et rate le point G. Voilà. On dirait qu'il rate le point G, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, rappelle Vanessa. Voilà. Attends, par contre, si je donc mets. Donc des... un divorce? Si je mets des sons. On fait quoi? Si je mets des sons, est-ce que tu les entends si je fais ça? Non. Ah si! Tu entends? D'accord. Ouais, j'ai la porte. Ouais. D'accord. Donc, Qu'on fait un divorce simple ou est-ce qu'on fait un transfert marital? Un retour à la Vanessa? On fait un transfert marital. On va faire un transfert matrimonial. Oui, voilà. Ça va. Alors, plus, hein. Quand t'entendras ça, je ferai ensuite ça. Et tu diras, et c'est là où tu parleras en disant bah alors. Et là, c'est là que j'arrive, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Allez, c'est parti. On rappelle Vanessa la quiche. Parce que là, je pense qu'au niveau quiche, hein, on est sur de la quiche internationale. Tu l'entends? T'entends le bip? Attends. Tu entends? Ouais. Parfait. Normalement, j'ai pas touché les réglages de Sento. Donc, normalement, c'est tout. Mets des baies partout.
Attends. Bah, les B sont mis partout, c'est bon. Et j'ai même des A de cocher. J'ai deux A. Il se gèle la couille. Bon, on va attendre que Vanessa rappelle. Il y a quand même Panoramique, je viens de voir, qui a tenté de m'appeler hier. Hein. Le A, c'est pour que t'entendes. Ah, le A, c'est pour que j'entende. Donc, bah là, c'est bon. Il y a juste sur le premier, j'ai pas mis de A. Fab demande à ce que tu remercies Sam. Merci, Sam. Et puis, tu sais quoi, quand il t'a appelé, j'étais en train de t'appeler aussi pour lui faire un gros, gros big up parce qu'il s'est décarcassé, le Fab. Il a, bah, carrément. Il a déchiré sa race. Ouais, il a... Incroyable. Incroyable. Voilà, nous, on a fait les cons, on a fait ce qu'on sait faire. Hein. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est ce qu'on fait de mieux. En même temps, le père Sylvestre a fait sauter la... C'est Luciol qui a fait le montage, par contre. J'en profite pour lui faire un... Oh, mais bravo, Luciol, parce que le montage du père Sylvestre qui allume la bougie, qui fait exploser la planète... Non, mais... Pépite. Non, mais c'est grandiose, quoi. Oui, on est tous en train de regarder une quiche haute-savoyarde. Ah, voyez, c'est rentré dans sa petite tête à la marmotte. Haute-savoyarde. Ouais, ouais. Comme la couture et la haute couture. Voilà, c'est comme la couture et la haute couture. C'est pas comparable. T'as vu, la comparaison, elle est restée. Hein. Elle est restée. Ouais. Ah ouais, je vais faire ça. Je vais te prêter une soutane. On va faire ça. Je vais te filer des fringues parce que je vais arriver, tu vas être à poil. Attends. Ouais, c'est bien ça. Attends un instant. Marmotte, fais bien attention à toi. J'ai fait un zoom sur ma tête. En disant ça, oui, j'ai fait un gros zoom sur ma tête. Genre, pourquoi mon téléphone? Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends. Qu'est pas ça? Mais si, je me permets juste d'intervenir pour dire que la Savoie, que ça soit la haute et la basse Savoie, c'est la même chose. Allez, plein de bisous, je t'emmerde! Attendez. Bientôt, voilà. Voilà, zoom de... Dramatique. Dramatique pour Sento. Sento, je te pisse au cul. J'adore le zoom. J'aurais jamais dû découvrir ce truc. Bon, à chaque fois, je suis obligée d'aller dans les réglages de la caméra. En soi, c'est chiant. Je préférerais pouvoir le faire depuis là. Déjà, on a le zoom dramatique. On aime bien le zoom. Et bon anniversaire de la part de Santo. Oui. Oui, oui. Attends, on va essayer de rappeler Vanessa. T'as Vanessa, réponds si tu veux qu'on fasse un transfert matrimonial. Elle m'a partagé. Vanessa. Allô, je ne sais pas si tu veux. Ouais, je suis arrivée devant sa porte, attends. Oh putain, attends, je frappe. D'accord. Attends, je frappe. Il a jeté une chanson d'anniversaire, t'as écouté? Attends, j'ai pas pu écouter, ferme ta gueule, je vais frapper à la porte. D'accord. Attends, j'ai frappé. Bah, José, qu'est-ce que vous faites là, la mère? Entrez, hein, vous allez avoir froid. Père Sylvestre! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh, je me gèle la couille! Oh là là. J'ai la couille gelée, oh, Père Sylvestre! J'ai la couille gelée! Oh là 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 là, qu'est-ce qui vous fait? Oh mon Dieu! Père Sylvestre, je suis au téléphone avec Vanessa! Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais enfermée dans un sac poubelle! Et je me suis réveillée, j'ai dû sortir du sac poubelle et j'étais tout nue dans la forêt! Et il y avait un hibou qui ululait! Un hibou qui? Attends, oh là là! Okay. Oh putain! Oh là là! Calme-toi, putain de mère, calme-toi, t'es pas possédé, José, calme-toi, putain. José. Aussi. Alors, un sac poubelle, mais je t'ai déjà dit, mon petit, si tu veux des capotes, enfile une capote, pas besoin de te mettre dans un sac poubelle. Ah, mais je me suis pas mis dans le sac poubelle. C'est Géraldine qui m'a mis dans le sac poubelle parce qu'elle a voulu me tuer. Attends, Vanessa, là, on est témoin. Vanessa. Dans le téléphone, on pêche, Gilbert. Oui. Oui, je te passe, Père Sylvestre. Père Sylvestre, tenez, c'est Vanessa au téléphone.
Attends, donne-moi ça. Oui, allô? Père Sylvestre, Bon, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, Géraldine m'a écrit avant-hier, elle m'a dit qu'elle a tué José. Et elle a appelé les biens de José, qu'elle n'aime C'est pas José, pas c'est lui, pas bon. les biens de Bon, Vanessa, José, il va bien. Enfin, il est vivant, hein. Tout va bien. Il a ses deux bras, ses deux jambes, une seule couille. Il a toujours sa gueule de travers, sa beubarde de hipster. Et tout Père va Gilbert, bien. Voilà. Il Père a Gilbert, quelques traces de coups de pelle un peu partout. Mais ça va, hein. Père Sylvestre, Bon, on va en prendre Père soin. Sylvestre, Je vais lui donner un coup de whisky. Attends, bouge pas. Tiens, gamin, tiens, serre-toi. Voilà. Père Sylvestre, On se prend un coup de merci, whisky. José, merci Père Sylvestre, Voilà, tiens, merci. avale, voilà. Avale, je te dis, avale, voilà. Père Sylvestre. Tu veux reparler à José? Non, non, c'est à toi que je vais parler. Vanessa? Tu sais? Oui, je Oui, t'écoute, mon tu petit. sais. Dis-moi. Regarde, j'ai envoyé des messages à José. Regarde ces messages. J'ai envie qu'il m'envoie ces Le messages. message. Ah, attends, il faut que je commence à marcher ces Oui, trucs-là. Là. José, comment ça marche ton oui. téléphone Vérifie, là? vérifie. Alors, faut appuyer regarde, je vais te montrer. sur le petit carré vert. José? Attends, j'appuie ici. Voilà. Voilà. Et il faut aller sur grosse salope. La conversation où Tu il y a appuies écrit sur grosse grosse salope. salope. Voilà. Ouais. Et il faut lire du coup les messages qu'elle a envoyés. Et le message qu'elle a envoyé, la grosse salope. Alors, oui. D'accord. Oh, putain! Ah, oui. Voilà. Ah, tiens. Ah, celui-là, j'ai la demi-molle. Oui. Ah, d'accord, oui. D'accord. Bon, j'ai lu, Vanessa. J'ai lu. Hein. Bon, c'est une espèce de garce, hein, celle-là, là-bas. José, il faut faire Père attention Sylvestre, s'il avec te plaît. Madame Père Grimaud. Hein. Sylvestre, Faut faire Père gaffe, Sylvestre. hein. Elle a Père essayé de Sylvestre. me tuer. À coup de pelle. Père Elle a Sylvestre. essayé de te tuer. À coup de pelle. Oui, Vanessa, je t'écoute. Il faut que José divorce de Géraldine, sinon elle va tuer José. Elle va tuer José, vous prenez tous ses biens. Elle ne s'appelle pas Géraldine. Il faut qu'elle divorce. Oui, elle va tuer José. Ah Elle ouais, va mais tuer ça va. José. Ah oui, mais comment tu veux qu'elle divorce? Oui. Sinon, elle va tuer José. Elle n'aime pas José. Ça cause son argent. Mais comment veux-tu qu'elle divorce? Attends, il y a José, il y a ton téléphone là. Je veux me remarier avec Vanessa. Je veux divorcer de Je suis Géraldine. bien avec le père Sylvestre. C'est qui à l'appareil? Primo, j'appelle pour signaler que José est porté disparu depuis vendredi soir. José porté disparu? Mais c'est terrible, ça, c'est affreux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Oui. C'est parti aux toilettes ce soir-là. Parti aux toilettes, Oui. oui. J'étais partie aux toilettes et quand je suis revenue, il y avait les Daft Punk chez lui. Les J'ai Daft entendu. Punk! Il Oh là là. Oui. dans un sac poubelle. J'ai bité en petits morceaux, ils en ont fait des cadeaux, ils l'ont jeté au zoo de Vincennes. Et, ah non, ça c'est le Père Noël Non, qui ça sort. c'est... Oui, non. Belle. Oui. Et croyez-le ou non, voilà la radine sur la tête de ta mère. Oui. Il y avait une coulée de sang rouge. Oh putain! Mais, Madame Grimaud, une question me suppute. Si vous l'avez débité, qui c'est qui l'a rebité, le José? Mais il s'est remis. Mais c'est pas moi? Ah bon? Non? Non, si, pardon, les Daft Punk. Si, les Daft Punk. Ah oui, d'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va tâcher de prendre l'information en compte. Hein. Oui. Il faut arrêter de mettre des trucs dans le pif, José. Ça suffit, hein. Vous n'êtes pas censé le voir. Ça vous fait bien, j'ai pas le retour. C'est...
Vous n'êtes pas censé le voir. Je vous laisse, Père Sylvestre. Je vous fais des bisous. Et puis si vous voyez José, bon, vous lui dites de m'appeler. Si je vois José... Oh ben ça, si je vois José, déjà je le dirai à mon ophtalmo, et puis ensuite je vous appelle. Exact. On fait ça. Bonne soirée, Madame Grimaud. Oui, Dean Moubouk. Père, elle a un problème. Père Sylvestre, vous lui avez pas dit que je suis avec vous, hein? Mais heureusement que je lui ai rien dit, hein. T'as entendu comment Vanessa, elle m'a appelé, je te dis, putain de merde, elle m'a appelé, hein. Père Sylvestre? Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, José, tu vas pas rester marié avec une tarée comme ça, hein? Non, en plus, Père Sylvestre, je suis un petit peu choqué, parce que là, je viens de découvrir à l'instant présent que Luciole est une balance. Elle dit que c'est des trucs dans le pif. C'est un petit peu tout chamboule au ciel, oui, mais... d'apprendre ça. Oui, mais si je peux me permettre. C'est de bonne guerre, quoi, parce que... Vous savez, on peut pas rester dans ce genre de situation comme ça à croire que Luciole n'est pas une balance. Bon, mais ça, c'est un détail. Vanessa, attends un instant. Ah, Vanessa, tu te tais un instant. On doit régler un petit problème avec Luciole. D'accord, je te dis. Voilà, attends juste une minute. Donc là, parce que là, on fait comme si tout était normal, oui, alors qu'on vient de découvrir que Luciole est une balance. C'est quand même grave. Bon, est-ce qu'on parle du signe astrologique ou de la nature profonde de la personne? Je pense qu'on parle de son signe chinois. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Quand la lune est descendante. C'est-à-dire quand on a l'arrêt qui dépasse. Oui. Parce que on a un message là. Il paraît que Madame Grimaud l'avait vu par elle-même. Hein. Il n'y a pas eu besoin de balance. Hein. Bon, d'accord. Alors tu vas te calmer tout de suite, hein. Tu vas baisser les yeux, espèce de petite merde. C'est Et bon, puis c'est... tu vas descendre dans l'étage. Vanessa. Bon, je suis en train de crever avec ces conneries. Moi aussi. Vanessa, le réseau balance. Oh putain, là, c'est le moment parfait pour un méga zoom. Vanessa. Appel terminé. C'est dramatique. Oh. Oh, l'appel. Oh. C'est terminé. Faut que j'arrête. Enfin, si je me mets à faire des coups. Fini. C'est... fini. Est-ce que... Oh, on recommence. Est-ce que tu restes coincé parfois dans le personnage de José? Jamais. Faut que j'arrête. J'aurais jamais dû découvrir le zoom. Jamais de la vie. Faut que j'arrête. Non, c'est bon. Allez, j'arrête. J'avais dit que j'arrêtais et j'ai pas arrêté. J'arrête. Non, c'est oui. Si c'est bon, j'arrête. C'est ce qui manque, c'est le tou-tou-tou. On va voir si... qui est la balance. C'est dramatique. Faut vraiment sortir des emotes avec la tête de Lessie quand elle zoom. Non, 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 faut pas se sentir obligé de faire ça. Vraiment, faut pas. Vanessa, attends, du coup, c'est quoi le vocal qu'elle m'a envoyé? Attends, je vais le faire écouter sur Chrome, comme ça tout le monde entend. Anniversaire, on est venu te souhaiter bon anniversaire. On est venu te souhaiter bon anniversaire. Un an de plus qu'on t'aime, qu'on t'aime. Un an de plus qu'on t'aime, on t'aime. On t'aimerait longtemps. On est venu te souhaiter bon anniversaire. On est venu te souhaiter bon anniversaire. Un an de plus qu'on s'aime. Un an de plus qu'on s'aime. Que l'amour. Un an de plus qu'on s'aime. Un an de plus et on s'aimerait toujours. Et le plus beau cadeau que l'on pouvait te faire.
Le beau cadeau pour ton anniversaire, c'est tous ces mots d'amour appris par cœur, toujours toi et le bonheur. La 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 la. On est venu te souhaiter bon anniversaire. On est venu te souhaiter bon anniversaire. Un an de plus qu'on t'aime, un an de plus qu'on t'aime, et on t'aimera tout, t'aimera longtemps. Vanessa rappelle. Elle nous sauve la vie, là. Vanessa! 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 Vanessa? Vanessa? Vanessa! 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 Je te jure, tu t'es heureux de ne rien voir parce qu'à chaque fois que je dis Vanessa, je zoome. J'ai découvert le zoom et du coup, j'arrête pas de jouer avec. Vanessa! Si vous Vanessa! savez pas quoi lui offrir, et si le chat, si. Vanessa! Je suis insupportable. Je suis insupportable. Offrez-lui un stream deck. Offrez-lui le stream deck avec les molettes, les trucs. Tu vas Ouais, en grave. brancher un sur le zoom. Mais grave, je ferai un méga zoom sur ma tête, j'irai. Ah oui, tout ça est très Y aura un curseur suspect. sur le zoom. Ouais, mais grave, je ferai un curseur sur le zoom et je dirai, mais oui, tu as raison, tout ça est très suspect. Très intéressant. Oh, je trouve qu'en effet, il y a baleine sous gravillon. Je peux plus. Maintenant que tu le dis, en effet, c'est louche. Elle fait son travelling à la souris, quoi. J'en C'est peux ça, mais j'aurais jamais dû découvrir le zoom plus. parce que là maintenant, c'est foutu. Avec la voix. Et ça va se savoir. Ouais, il y a Vanessa qui rappelle, faut que j'arrête de rire. Attends, vu que je suis en train de rire, je vais pleurer. Vanessa. Gros zoom sur ma tête à ce moment-là. Vanessa! Gros zoom encore une fois. Vanessa! Gros zoom encore une fois. J'étais obligée de raccrocher parce que. Putain, mais c'est. Mais qu'est-ce que tu veux que je tienne, moi aussi, là? Allez, ça rappelle, attention, je pleure. Vanessa, gros zoom encore une fois. Ah, ça y est, c'est Pourquoi? là. Pourquoi? J'ai froid à la Pourquoi? couille. Attends, José, tiens, enfile ce truc-là, parce que. Mais c'est. Voilà, bon, c'est ma soutane, là, d'habitude. C'est ma préférée, celle avec le pilou-pilou. Ah, on se sent Voilà. bien ce temps. Voilà. Vanessa. Ça balance, on va la refaire, mais. Vanessa, gros zoom encore une fois. José? Oui. Oui, José? Vanessa, gros zoom José? encore une fois. Oui. Tu vas divorcer Juradi? Tu vas divorcer Juradi? Oui, c'est bon. Attends, je te passe Père Sylvestre. Il va voir ça avec toi. Il faut que je mette la soutane parce que j'ai trop froid la couille. Père Sylvestre, tenez, je vous passe Vanessa. Je suis là. Donne-moi ça. Allô? Ah, bip bip. Allô? Oui. Vanessa, bip bip. Vanessa. Allez, j'avais la police, Père Sylvestre. Oui, Vanessa, tu m'entends? Bon, Je t'entends. le petit José, je lui ai donné ma soutane avec du pilou-pilou à l'intérieur, comme ça il n'a pas froid à la couille. Père Sylvestre. Oui, je t'écoute, mon petit. José va divorcer Géraldine.
Il n'a pas encore, mais alors attends, j'ai un truc à vous proposer. José, tu m'entends? Oui, Père Sylvestre. Oui, il est con, il était à poil dans mon salon depuis tout à l'heure, il va dans la salle de bain pour enfiler la soutane. T'es pas un fils de con, toi, par hasard, non? Moi, je suis le fils de bon. Lulu. Alors écoutez, tous les deux, puisque je vous tiens tous les deux par les murs, voilà ce qu'on va faire. Je vous propose, on n'a pas fait ça très souvent. Au lieu du divorce, on va faire un transfert matrimonial. C'est quoi? Alors, c'est pas compliqué. Attendez, Père Sylvestre, là, on va transférer l'union. Attendez, je refais avec la gueule, le zoom. Je pars. Je le refais avec le zoom. C'est quoi? Allez-y. C'est bon? Bon. Donc, je disais, on va faire un transfert matrimonial. Traveling, on est bon. Le transfert matrimonial. Vanessa, tu m'entends? Oui, je t'entends, Père Sylvestre. Bon, le transfert matrimonial, c'est quoi? On va transférer l'union qui existe entre l'autre espèce de Foltar et Géraldine Grimaud, là, et José, on va le retransférer à Vanessa. Comme ça, tu récupères l'ancienneté et les points de fidélité. Bon, ça, c'est t'inquiète, c'est fait avec le Vatican. D'accord. Comme ça, t'as pas besoin de refaire une nouvelle carte. C'est sur la même maison mère, tout ça, tout ça. D'accord. Donc, si t'es d'accord avec ça, on s'en occupe, on fait ça maintenant. Oui, oui, je suis d'accord, Père Sylvestre. Mais Père Sylvestre? Oui, je t'écoute. Allô? Elle doit s'éloigner de José. Elle peut tuer José. Elle doit s'éloigner de José parce que c'est la maison de José. De José, de quoi? J'ai compris que José. Père oui, Sylvestre? José, oui. Il est là. Il t'embrasse. À demain, allez, j'avais la police chez José et chez Géraldine. La police chez José de comment ça? Allô, attends non, une seconde, je j'ai mon téléphone. Police, allô? Oui, allô? 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 Oui, oui, je t'écoute. Je disais, demain, vous allez chez José? Chez José? Oui, oui. Mais pourquoi aller chez José? Parce qu'il faut oser José. Elle doit quitter la maison de José. Sinon, elle veut chez José. Elle doit quitter la maison de José bébé. Non, non, c'est pas la peine. Tout va bien. Bon, on est, pour l'instant, on est ici. D'accord. On est à la maison. Parce que Géraldine, on sait pas si elle va pas se pointer là-bas. Tu comprends? Elle est folle tarée, l'autre espèce de folle furieuse. Je reste plus. Je rentre pas chez moi. Je reste à la paroisse. Père Sylvestre, elle est capable de vous tuer. Non, pour l'instant, tu restes ici. Père Sylvestre. Donc, Père Sylvestre. Vanessa, est-ce que tu veux redevenir l'épouse de José? Oui, oui, Père Sylvestre, devenir son épouse. Il l'aime toujours, il l'aime de tout mon cœur. Oui, tu veux, tu... Ok, José. On va faire oui. ça vite parce que... tant qu'on le tient, c'est bon. José, est-ce que tu veux redevenir l'épouse... Le mari... Oh, je suis perdu, moi. Le mari de Vanessa. Bien sûr. Sachant que chacun, vous récupérez les points de fidélité. Hein. Ah oui, bah, ça c'est très intéressant ça. D'accord, le principe. Ça c'est intéressant ça. Est-ce que vous passez au je programme sais. Premium Sup ou vous restez non, toujours pareil? Non, le programme Premium Plus, il y en a quoi en plus? Il y a une facilité sur les transferts, il y a le compte joint. Le ah, compte bah joint, je... c'est pas pour mettre les pétards, attention. Hein. Alors, je vais prendre la version Premium Plus, s'il vous plaît. Avec le compte joint et tout ça, d'accord. Alors, est-ce on que va c'est faire les ça. 3 mois d'abonnement on va s'en offert? Occuper avec. La... Ouais, il va falloir trouver un autre banquier parce que. C'est les 3 mois offerts pour la nouvelle adhésion? Il y a les 3 mois offerts, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merveilleux! Absolument. José, merci, oh. Voilà, bon, bah, on s'occupe de ça. Vanessa, il va je falloir que tu nous de... renouvelles tes vœux pour José. Hein. Par contre, c'est la seule condition pour le transfert matrimonial. Il faut renouveler tes vœux. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Donc, elle démarre demain? Ah, j'ai pas compris. Moi non plus. Allô? Des fois, c'est un petit oui. peu un petit peu quand elle parle. Soir. On s'appelle demain sur le mariage à 20h. Non. Demain à 20h, non, ça va être compliqué. Moi, demain à 20h,
Quelqu'un qui m'appelle à l'escalier de la douche sur le feu. Ah non, Ça non, va être un peu compliqué demain à retenir. 20h, demain Par contre, tu 20h, peux c'est nous pas dire possible. maintenant si tu renouvelles tes vœux. Demain 20h, Qu'est-ce c'est pas que tu possible. Y a là, là. souhaites? José? Oui? Ben, vas-y, écoutez-moi. Ouais, on t'écoute. Vas-y, José? parle. Oui, vas-y, parle. José, je Oui. promets de rester avec toi pour toute la vie parce que l'amour ne sait pas. Ah, d'accord. Merci. C'est incroyable. De rien, mon amour. C'est formidable. Elle Alors, me par vomit, contre, elle me vomit pas si dans je la peux bouche. dire, Vanessa, t'es pas un peu conne de lui redire que la mort te Je vomis dans la sépare bouche, mon alors qu'il ami. vient de Je se vomis dans faire la bouche. tuer? Elle m'a pas vomi dans la bouche. Elle m'a pas vomi dans la bouche, Père Sylvestre. Je te vomis dans la Ça va bouche, pas le Père, faire. mon ami. Vanessa! Ah, ça c'est magnifique. Vanessa, attends. On dit rien, tout le monde ferme sa gueule. Fermez vos gueules! Vanessa, est-ce que tu peux le redire à José? Ça lui fera très plaisir. José, je promets de rester avec toi jusqu'à ce que l'amour ne sait pas. Je te vomis dans la bouche, mon ami. Ah, Ça, c'est c'est gentil. magnifique! Alors ça, mes enfants, il y a des moments dans ma carrière de père Sylvestre qui sont beaux. Alors là, c'est magnifique. Vous pouvez vomir dans la bouche de la mariée encore une fois. Youpi! José, je te vomis dans la Ouais, je bouche. vais m'en Bon, ouvrir alors. une, tiens. Ah! Allez, Père c'est Sylvestre! la fête, c'est moi qui offre. Vous avez votre téléphone qui sonne. Attendez, je réponds. Allô? Allô? José, je m'y oppose. C'est pas José. Vous vous êtes trompé de Je numéro. m'y oppose. Je m'y oppose. Vous. Je m'y oppose. Je ne suis pas José. Je ne suis pas Non, mais José, José, moi. José, c'est ton numéro de téléphone, je m'y oppose. Non, 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 c'est pas José. Bon, José, écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'il On va mettre la menace à profusion. Les Daft Punk vont venir. Je te préviens. Ils vont venir. Et tu sais, ils sont à Round the World, hein. Ils sont à Round the World. Tu vas crever, José. Tu vas crever. Tu vas crever. Même que je vais te donner un Daft Punk au téléphone. José? Tu vas voir. Monsieur Bollet, on va vous étriper, on va vous tuer, monsieur Bollet. On va encore écouter la dictée. Qu'est-ce qui vient de Putain, se c'est les passer? Daft Punk. Putain, elle va m'envoyer les Daft Punk. Vanessa, Oh putain, putain. Vanessa. Oh putain, j'hyperventile. Attends, ça balance. Allô? Oh mon Dieu! Inspire par le nez, respire par le cul, mon José, ça va bien se passer. Elle va m'envoyer les Daft Punk! José? Non! José? Je vais avoir les Daft Punk, c'est catastrophique! Mais non, t'inquiète pas, je te protège, mon petit, je te Attendez! protège, j'en mets un petit pied dans la gueule. Oui, Vanessa, on t'entend! J'inspire! J'expire! Voilà, expire! Oh putain! Oh putain! J'inspire! Oh la paroisse! J'expire! Oh là 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 là! Là 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 là! Elle m'a rien! J'inspire! Allô, allô! J'expire! C'est bon, ça va mieux! Je suis calmée! Oh bah, j'espère bien que ça va mieux! Oui, Vanessa, je suis là! Putain, je vais crever! Tu m'écoutes? Père Gilbert? Oui, je t'écoute. S'il te plaît, José, en danger, appelle la police immédiatement, vous allez écouter José, s'il te Appelle la plaît. police! Alors, la Appelle police! La police! La police! José, la police va te protéger, la police va te protéger. Bah, attends, je vais voir s'il y a L'inspecteur Michel, là, qui vient des fois, là, je sais pas s'il peut nous protéger le José, hein. Il est où, l'inspecteur Michel, la voix? Protégez-moi! Père Sylvestre? Oui, je suis là, bon, me venez ça, je suis là. Je t'écoute, t'inquiète pas, on va le écoute-moi, protéger. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, Père Sylvestre. Mais je t'écoute, mon petit, je t'écoute. Tu t'appelles le commissaire Michel, dis-lui de venir demain matin chez toi à la maison, de partir avec José chez lui à la maison pour aller passer Girard chez lui à la maison, dans sa maison.
Ah, mais je vais demander au commissaire Michel, il va faire une perquisition. Père Sylvestre. Je sors, mais il va la faire. Et il va vérifier qu'il n'y a personne caché chez José. Et ensuite, on va protéger José. On peut aussi faire venir le commissaire Tapin du Larzac. Ah, il y a le collègue Tapin du Larzac aussi. Ouais, on peut le faire venir aussi, le commissaire Tapin du Larzac. Lui, il enquête vraiment, vraiment. Alors, attends, j'envoie un texto, attends. Cher commissaire Tapin du Larzac, veuillez vous joindre à nous à la paroisse de toute urgence. Cordialement, DTC, TMTC, MDR. Ça fait plaisir. Voilà, il devrait pas tarder. C'est parfait, merci beaucoup, Père Sylvestre. Vous êtes vraiment un saint homme. Heureusement que je vous êtes là, écoutez, sinon... on fait ce qu'on peut, mon je petit. Je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Allô? Avec le zoom, Vanessa, ça ajoute il arrive, le commissaire Tapin du Larzac. Il peut causer avec José? Allô? J'ai pas compris. Moi non plus. J'ai pas la José. Ah, c'est moi aussi. Ah. Attends, je te passe José. Tiens, je te le passe. Tiens, José, c'est pour oui. toi. Merci. Oui, allô? José? Oui, c'est moi. José, mon amour, tu m'aimes oui. toujours? Bien sûr. Capimbekiti? Oui, bien sûr que je t'aime toujours. D'accord. Moi aussi, José, je me sens pas bien. Je vais me reposer. Ok? Oui, t'as raison. Va dormir. Et va mourir. On s'appelle le mercredi. Oui, on s'appelle le mercredi, oui, parce que demain soir, il y a soirée bingo. José, et il y a l'Alain aussi, du coup, je ne pourrais pas être présent. Oui. José, oui. écoute-moi. Oui. Je t'écoute. Oh putain, je vais aller la paroisse. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. José? Oui. Ne laisse pas Gérard te dominer. Tu es un garçon, tu es un brave garçon. Okay, c'est toi l'homme de la maison. Ouais, okay? je vais pas la laisser me dominer. T'inquiète, je suis un mâle alpha, moi, t'as okay, vu? C'est génial. Mon amour, n'oublie pas, je suis ta femme. Gérard n'est plus ta femme. Oui, c'est bon, j'ai compris. On s'appelle mercredi, d'accord? Je t'aime de vomir dans la bouche. Moi aussi, je te vomis dans la bouche. Mon amour, j'ai déchiré une chanson d'anniversaire. Faut écouter. Je vais écouter. Je vais écouter, d'accord? Joyeux anniversaire, mon amour. Merci. À mercredi, je t'aime. Bisous. À mercredi, bisous. Je te vomis dans la bouche fort. Je te vomis dans la bouche fort aussi. Merveilleux. Je n'en peux plus. Et je te dis, et encore toi, t'as échappé absolument à tous les méga zooms. Oh putain, je te jure. À chaque Alors, fois... je sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a un moment, il y a Sento qui m'a appelé. Oui. Mais je crois qu'il avait zappé le voice mode. Oh putain, et du coup, c'est pour ça qu'après, j'ai raccroché un peu en panique. T'as bien fait. Et oui, après, il a rappelé chez moi. Oui. C'est pour ça que... Alors, Santo, je te le dis, c'est pour ça que je t'ai raccroché au nez. Parce qu'il n'y avait pas de voice mode. Et t'avais ta vraie voix. En train de dire, raccroche, connasse. Non, c'était la soundboard du scammer. Ah, ok. Non, ah, mais voilà. Putain, c'était ça. Bah, on a réussi à refaire encore une fois de plus à faire revenir Vanessa. On est à nouveau mariés avec un transfert matrimonial. Je savais même pas qu'un truc comme ça pouvait s'inventer. Merci Sam. Si, avec les points de fidélité et tout. Oui, je t'en prie. Attends, et on va même faire comme dans les pubs. Ça, c'était vraiment une super idée. C'est bon, allez, je ferme le zoom. C'est bon, je l'ai fermé, promis. Les mains en l'air. Et les mains en l'air. La 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 la. Ouais. La 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 la. Ouais. J'arrête avec le zoom. C'est bon. Mais si tu arrêtes pas, je te refais un don de 200. Les mains en l'air. J'ai arrêté. Et les mains en l'air. La 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 la. Je suis désolée. Bon, ben voilà. Une affaire rondement menée. Ou à nouveau, une fois de plus. Oh, ma foi.
On aura encore une fois de plus réussi à rattraper Vanessa par une moustache comme ça, hein, vraiment. José qui revient de la mort, quand même, je j'aurais pas cru. Ouais, Il est fort, ce José. José qui sort d'un sac poubelle et qui se retrouve à poil dans la forêt avec la couille à l'air avec un hibou qui ulule. On a réussi à recaler le hibou qui ulule, hein, encore une fois de plus. Ah non, mais il respawn, tu sais, c'est comme les jeux vidéo, il Oui, revient. exactement. Voilà. Par contre, où est-ce qu'on va aller? On me demande, je ne sais pas trop où tu vas aller avec Vanessa. Je ne sais pas non plus, mais on va y aller. Pas la Ça, moindre idée. c'est une certitude. On va y aller. On va même y aller gaiement. On va y aller dans la joie et la bonne humeur. Ça y est, j'ai ressorti Oh le zoom. putain, t'as refait le zoom, Oui! t'as refait le zoom. Mais oui, mais à chaque fois je me mets à parler comme une mongole, avec, je zoome en même temps sur la tête. Ça m'amuse, ça m'amuse. J'adore le zoomer, le méga zoom là sur ma face, comme ça, je trouve ça tellement hilarant, ça me fait mourir de rire, attention. Ça me fait mourir de rire. Oh putain. Attends, je fais juste un petit message préventif. Tu n'as pas arrêté. Marmotte! Marmotte, tu ranges ta carte bleue, Marmotte! Oui, Pose cette exactement. carte bleue! Pose On cette t'a carte vu, bleue! Marmotte, ça suffit! Les mains en l'air, Marmotte! Et les mains en l'air! Là, 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 là! Les mains en l'air! Les mains en l'air, Marmotte! Tu es cerné! Oui, il y a eu un zoom! Il y a eu un zoom aussi pour ça! Marmotte, fais pas le con! Pose ta carte! Ça me fait mourir de rire ce zoom, j'adore. Non mais c'est pas vrai. T'es en roue libre. Totalement. Totalement en roue libre. Je le sais. C'est la grenouille des voisins. C'est la grenouille du voisin. Mais non. C'est pas la grenouille du voisin. Wow, ça fait mal aux yeux, ça. Et voilà. Non, non, non. Attendez, sinon, en plus C'est de la ça, grenouille des voisins. En plus de ça, j'ai été inquiète parce qu'aujourd'hui, toute la journée, j'ai pas eu de nouvelles de Marmotte. Et en fait, je savais que c'était l'anniversaire de son fils. Et du coup, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit coucou, tout va bien? Je me Oh, faisais trop du bien. souci. Je me faisais du souci. Et puis, il m'a dit oui. Enfin, voilà, qu'il avait eu beaucoup de boulot et tout. Et je lui ai dit, il me dit, je suis désolée, Et j'ai pas. l'ami, allez, là, 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 là. Ouais, ça va devenir le rituel. Bienvenue Roméo Galou. Non, non, c'est pas ça. C'est bien plus haut. Bienvenue Yae Deco. Ouais, c'est ça. Et puis un blanc dans une pub. Et merci Mademoiselle Meia Marie Dragon le Sage. J'ai pas vu tout ça. Bonsoir, je découvre le Zoom. Il est tellement puissant que s'il y a un dentiste dans le chat, il pourrait te faire un diagnostic. Ouais, je pense. En sachant qu'il n'y a aucun problème, je n'ai jamais eu de caries, je n'ai jamais eu de dents arrachées, j'ai une Waouh. petite dentition ultra saine, donc tout est bon. Sublime. Peut-être un détartrage, en l'occurrence, ouais, ce serait possible. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, ouais, toute la journée, j'ai été inquiète parce que je n'avais pas de nouvelles de lui. Et du coup, je lui ai envoyé un message en disant coucou, tout va bien. Et donc, après, il m'a dit voilà, qu'il avait eu beaucoup à faire. Et je lui ai dit ne t'excuse jamais de privilégier ta vie. Mais voilà, je savais que c'était l'anniversaire de ton petit girafon aujourd'hui. Et je voulais aussi lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà. Donc, La classe. tu n'as jamais eu de vraies dents. Non, c'est des fausses dents, je l'avoue. Ce que vous voyez, c'est un dentier. Tu te doutes bien qu'il y a eu encore un zoom? Mais oui, je sais à chaque fois ce que tu fais. Mais non, parce que je suis une adulte responsable et jamais je ne m'amuserai avec un zoom. J'ai absolument passé l'âge de ce genre de gaminerie. Bon, c'est bon, j'arrête. Et bien sûr, tout ça va se savoir. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Merci infiniment à vous tous pour tous vos messages, pour la vidéo, merci Fab, merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo, merci à tous ceux qui m'ont fait des messages. Vous êtes absolument incroyables, vous êtes incroyablement gentils, vous avez été incroyablement adorables, je n'ai pas d'autres mots à dire.
Et les mains en l'air. La 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 la. La 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 la. Et les mains en l'air. C'était qui? C'était Ritos. Bienvenue parmi nous, Ritos. Et les mains Attends, en l'air. juste, faut que je vous explique un truc. Faut que je vous explique. Quand on est en Discord comme ça, je n'ai pas, moi, le bruit des alertes. Donc, je n'entends que toi. Faudrait que j'arrive à choper ce rec où je n'ai que ta bande son, donc j'ai que toi qui tout d'un coup t'arrête pour faire tu là 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 là. Le truc, ça doit Et à être trop chaque fois, bizarre. je me dis, elle fait un AVC, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. Ça doit être flippant. En tout cas, voilà, vraiment, je vais, vu l'heure, je Ok, vais ma petite devoir couper saucisse. le live. Oh là 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 Je vais là devoir là. couper le live, mais en tout cas, j'ai été vraiment très, très heureuse de faire ce live avec vous tous. Et encore merci. Oui, j'ai vu Jarl est en live et ça fait longtemps que j'ai pas envoyé les gens chez Jarl. Du coup, c'est trop bien parce que si vous restez, il va finir menotté et il y a moyen qu'il soit obligé à nouveau de se déguiser. Et on adore quand il se déguise! Parfait. Évidemment, parce C'est qu'on est bon. des enfoirax, hein. Oui, si on est 500 là-bas, s'il passe au-dessus de 500, il va être obligé de se déguiser. Donc, on adore, on adore, on adore, on adore. Donc, s'il vous plaît, restez, obligez-le à se déguiser. On a déjà réussi à faire en sorte qu'il se déguise une fois en Ladybug. Essayons de faire en sorte qu'il se déguise en autre chose, parce qu'on aime bien faire yesh les gens. En plus, il me dit, t'es une pourriture, parce qu'en fait, t'envoies des raids chez moi juste pour me faire chier et pour me voir me déguiser. Il me dit, tu les envoies même pas spécialement pour ce que je fais. Je lui dis, tout à fait, t'as tout compris. Je les envoie chez toi juste pour que tu te déguises. Donc, s'il vous plaît, restez. Restez pour le raid, pour que qu'il soit obligé de se déguiser, s'il vous plaît. C'est ça. Vraiment. C'est-à-dire que t'as le soutien vicieux quand même un peu. Ouais, j'ai le T'as soutien le vicieux, bien ouais. sûr. Oui, mais là, pour l'instant, il n'y a que 292 personnes. Du coup, on ne passe pas la barre des 500. Il faut vraiment que tout le monde reste, que tout le monde suive le raid, vraiment. Il est à 114, oui, mais bon, le problème, c'est que c'est pas encore assez pour le faire yesh. Parce que concrètement, c'est ce qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. C'est le faire yesh. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je vous fais un énorme bisou. J'ai été ravie de fêter mon anniversaire avec vous tous. Et vraiment merci. Et le live va partir dans quelques secondes. Donc je vous fais à tous des gros bisous. Et faites un Des bisou bisous. à Yarl de ma part. Bisous. Et bisous TikTok aussi, Bien évidemment. joué. Bisous à tous.